No way connected. Come outside, this world. in the tree running across the Back in less than a second. Right, I and mean, that's just a truth. The government has made contact with intelligent extraterrestrials. <inaudible> Bonsoir, mon très cher Guillaume. Nous voilà pour ce... Nouvel épisode, j'ai envie de dire ce premier épisode ouais, de Sentinel la News. Fois. Oui, d'accord, va bon. Écoutez, Ex euh, Explorer Lab, BioIP Check, Sentinel News, ça reste euh, les deux mêmes bonhommes hein, qui parlent des mêmes trucs. Ah euh, bon C'est clair. Les, <laughs> voilà, les associations se font, elles se défont, les noms arrivent, les noms changent. Le problème reste le même. Euh, on a un sujet à populariser. Euh, et merci à tous d'être là. On va s'y coller. Et ensemble, on va y arriver. Peut-être. Exactement. Et donc, on va attaquer très fort parce qu'on a 35 sujets, je crois, ce soir. Un truc comme ça. Très bien. Donc, euh, on va commencer très très vite. J'espère que j'ai coupé tous les sons ici et que vous nous entendez bien. On y va tout de suite. L'énigme de l'étoile disparue et la vague d'OVNI de 1952 à Washington DC par Béatrice Villarroel. Alors, un kudos à The Debrief, euh, mon équipe de l'autre côté de l'Atlantique, qui a publié un quintuplet de têtes cette semaine, euh, enfin ces deux dernières semaines plutôt, euh, et qui ont fait un taf remarquable. Donc, euh, bah, voilà, hein, on donne les lauriers à César euh, quand il euh, bosse bien, et là, en l'occurrence, il a très 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 bien Bosser. C César, donc. Très bien. Sacré César. C'est ça. ça. Donc, c'est des petits extraits de, de l'article hein, euh, qu'on va commenter au fur et à mesure. Mon équipe a recherché des objets susceptibles d'avoir disparu. Résultat inattendu de nos recherches, nous avons trouvé des cas où plusieurs objets ressemblant à des étoiles transitoires sont apparus et ont disparu dans une petite image en l'espace d'une heure. Plus étrange encore, deux de nos cas les plus brillants se sont produits en juillet 1952, coïncidant avec les survols de de Washington DC en 1952. Il y a un an, mon collègue a présenté à l'équipe un cas qu'il avait découvert au cours des recherches automatisées. L'image montrait trois objets brillants et magnifiques ressemblant aux étoiles d'une image post du 19 juillet 1952 qui apparaissait et disparaissait au cours de l'exposition d'une plaque les trois objets brillants semblaient aussi réels que Bé Bételgeuse Ah ça on dit pas Bételgeuse c'est Bételgeuse Ah ben bah, je yeah. me suis planté toute ma vie que Bételgeuse voilà. elle-même nous avons exploré l'hypothèse d'un effet de lentille gravitationnelle envisageant la possibilité qu'un objet massif en avant-plan Puissent déformer la lumière qui passe, de sorte que trois images apparaissent pour disparaître quelques instants plus tard. Peut-être qu'un trou noir supermassif, situé à quelques années, lumière de la Terre, d'une masse dix fois supérieure à celle du trou noir au centre de la Voie lactée, pourrait expliquer euh, le triple, les triples étoiles transitoires. Nous n'avons pas été convaincus. Juillet 1952 fut un mois très spécial à Washington, DC. Entre le 12 et le 29 juillet 1952, une multitude d'observations d'ovnis se sont produites au-dessus de Washington, DC, aux États-Unis, impliquant des observations radars, visuelles, simultanées, et même des circonstances où un pilote de la Navy a été autorisé à abattre un objet avec quelques débris collectés. Le plus grand nombre d'observations a eu lieu pendant deux week-ends, les 19 et 20 juillet, et le week-end des 26 et 27 juillet 1952. Un document officiel des Archives nationales d'Australie révèle qu'alors le nombre mensuel moyen de rapports d'observation devenus entre 1948 et 1951 était de 15 par mois. Il y a eu environ 536 rapports en juillet 1952. L'US Air Force a tenu une grande conférence de presse au Pentagone, la plus grande conférence de presse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les observations radar étaient causées par des inversions de température, citant une théorie produite et promue par l'astronome et sceptique des OVNIs Donald Menzel, qui avait les autorisations les plus élevées au sein de la National Security Agency aux États-Unis. Des travaux ultérieurs ont jeté de sérieux doutes sur l'explication de Menzel. En outre, l'US Air Force n'a pas réussi à expliquer les nombreux rapports de témoins oculaires. Ironiquement, nos deux cas les plus importants et les plus brillants de Transitoires Multiples ont coïncidé avec les deux week-ends des célèbres survols de de Washington. Quel type d'événements peuvent conduire à la détection de multiples transitoires sur des plaques datant de la même période Une explication possible est que ces transitoires sont en fait des ovnis. Une autre hypothèse est que des essais de bombes atomiques à haute latitude ont pu générer des phénomènes semblables à des aurores au-dessus de Washington. Ces événements auraient pu produire des retombées nucléaires dans d'autres régions de ce vaste pays qui pourraient peut-être être, être détectées comme de fausses étoiles sur des plaques photographiques. Dans ce cas, le rasoir d'Occam suggère peut-être que la première hypothèse est la moins exigeante. Étant donné que l'observatoire de Harvard est considérablement plus proche de Washington D.C. que Palomar, il pourrait posséder des enregistrements précieux de l'époque des survols de de Washington D.C. Il y a quelques semaines, le projet DASH a été remis en ligne après une interruption de plusieurs années. Une bénédiction pour de nombreux astronomes. Malgré ses nombreux succès, la collection de plaques photographiques de Harvard a dû faire face à de nombreux défis au cours de son histoire. Au début des années 1950, l'université de Harvard a choisi de détruire une partie de sa propre collection de plaques photographiques sous la direction de son directeur Donald Menzel, entré en fonction en 1952. Cette histoire est soigneusement racontée dans l'autobiographie de l'astronome Derrick Offite, intitulée Misfortunes as Blessings in Disguise, les malheurs comme des bénédictions déguisées. En outre, Donald Menzel a empêché l'Observatoire d'Harvard d'effectuer d'autres relevés photographiques du ciel en 1953. Ce dernier événement est aujourd'hui communément appelé le trou de Menzel. Les contraintes liées à l'espace de stockage et des limitations budgétaires ont été invoquées. Quinze ans plus tard, Harvard a repris sa surveillance du ciel après le départ à la retraite de Menzel. On appréciera le solo de batterie de Guillaume en même temps. Ah, je, pensais, je pensais que j'étais discret. <laughs> ah, C'était à la limite de la mitraillette. Euh, donc voilà, premier, euh, premier échantillon de, de, de l'article magnifique écrit par euh, Béatrice Villarroel, astronome, et euh, qui est, je pense, un, un condensé euh, de ce qui s'est déroulé lors de 1952, mais cette fois-ci, euh, appuyé par des observations astronomiques. Qu'en as-tu pensé, mon cher Guillaume bah, ça me semble être une excellente idée, puisque euh, donc, donc l'idée de euh, Béatrice Villarroel, euh, c'est puisque aujourd'hui, eh euh, l'atmosphère est totalement polluée par les satellites Starlink et je ne sais pas combien d'autres engins, je ne sais pas combien on en a, euh, mais enfin, ça se compte, il me semble bien, en milliers, sans compter euh, les débris spatiaux. Bref, ça devient très, très compliqué d'observer le ciel. Et d'ailleurs, de nombreux astronomes amateurs euh, se plaignent de la profusion d'objets euh, fabriqués par l'Homme, en orbite autour de la Terre. Et donc, forcément, aujourd'hui, quand on voit une image à travers un télescope d'un machin qui bouge dans l'espace, euh, il enfin, y a mille raisons de penser que c'est un libre spatial ou un satellite qui, qui se balade ou machin. En 1952, il bah, y avait euh, beaucoup moins, et je crois bien d'ailleurs, aucun satellite en orbite. Tu me le confirmes, Baptiste C'est ça, c'est la raison pour laquelle ils ont commencer à mettre euh, leur euh, étude sur les plaques les plus anciennes, c'est tout simplement parce que comme ça, il n'y avait pas l'explication le, le, possible de satellites artificiels. On peut supposer, euh, enfin, on peut supposer, on peut émettre l'hypothèse qu'il y ait pu y avoir des prototypes de euh, satellites secrets qui aient été essayés lors des, de, de, des tout débuts des programmes spatiaux, mais ça, on n'en a aucune trace historique, donc ce serait comme inventer une théorie du complot pour répondre à un complot. Exactement. Et puis, alors, ce qui est particulièrement savoureux, dans un autre passage de l'article de Madame Villarroel, euh, c'est euh, cette histoire. Euh, de Donald Menzel, le directeur, euh, de, directeur de Harvard. Je me rappelle il, avait été, il a été directeur de l'université carrément, Donald Menzel ah Non, c'était l'astronome en charge de l'observatoire. C'est ça, le directeur de l'observatoire d'Harvard, euh, qui, ironie du sort, euh, est, euh, est, il me semble, chapeauté plus ou moins par euh, Avilob, qui est carrément en, ch en chasse aux ovnis. Hein. Donc, Donald Menzel qui supprime les plaques photographiques. De son propre observatoire, je me demande bien quelle raison il a avancé pour supprimer des plaques. Est-ce que c'est comme des cassettes VHS qu'on peut qu'on peut effacer pour réenregistrer les bronzés par dessus alors, ça euh, prend de la place, c'est tout. Mais, ça, alors ça je ça rappelle que en ce moment Pourquoi on est en train de détruire une archive sur deux de la gendarmerie euh, parce que ça prend trop de place. Et que dans non, ces archives vrai. de la gendarmerie, vous avez aussi des signalements de devenus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça scandale, monsieur. Euh, donc, et je trouve ça intéressant parce que d'un certain point de vue, euh, l'histoire se répète puisque là, on a, euh, on soupçonne Donald Menzel euh, anti ovni euh, d'avoir activement supprimé des plaques pour supprimer des traces d'OVNI. C'est de la spéculation, bien sûr. Hein, mais enfin, euh, je constate qu'il y a à peine quelques jours, euh, Jérémy Corbel, notre bon Jérémy Corbel que j'aime beaucoup, euh, accusé. Euh, une agence de renseignement d'avoir confisqué euh, le film, euh, ou une partie du. Oui, non, le, le film du fameux euh, OVNI surnommé La Méduse Volante, euh, qui est sorti il y, a, il y a quelques jours. Donc, on a cette dynamique qui revient régulièrement de. à un document qui semble exister quelque part, une trace radar ou autre, et pouf La trace disparaît parce que un officiel considère que non, non, il euh, n'y a pas lieu de la regarder, donc euh, on va la supprimer, ou alors on, euh, je vous la confisque, quoi. alors voilà, c'est quelque chose qui revient très souvent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais en tout cas, euh, très enthousiasmé par ces recherches de Béatrice Villarroel, qui essaye euh, a posteriori en fait, de valider des cas d'observation d'avenir en utilisant les ressources disponibles, donc on lui souhaite la plus, le plus grand des succès dans sa recherche Absolument. Ensuite, nous passons à notre très cher. Euh, et on remonte jusqu'en haut. Docteur Castrop. Alors, le Docteur Castrop, on en avait parlé il y a facile deux ans et demi, parce qu'il avait fait un poste de blog qui, a, qui a était super intéressant pour la peine. Et donc, il revient à la charge, donc publié cette fois-ci sur le débrief dans un euh, mini bouquin. Donc, alors là, ça ne s'appelle plus un article, hein, ça s'appelle un bouquin. Ça doit faire 20 pages, je pense, quelque chose comme ça, mais qui est extrêmement intéressant. Que, évidemment, vous aurez tous les liens dans la description pour aller voir euh, vous-même l'ensemble de l'argumentation qu'il déroule. Je vais simplement en reprendre les points principaux. Pour anticiper une question que vous vous posez certainement déjà. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'extraterrestres de états réticulés. Les faits peuvent être beaucoup plus surprenants. Est plus proche de nous que cela. Monsieur Grosch a également témoigné sous serment lors de l'audition du Congrès sur les pans en juillet 2023. La question de savoir si les États-Unis possèdent les corps des pilotes des pans récupérés, il a répondu, comme je l'ai déclaré publiquement, des produits biologiques ont été livrés avec certains de ces pans récupérés. Pressé de dire si ses produits biologiques étaient non humains, il a confirmé sans ambiguïté non humains. Et c'est ce que ce qu'ont estimé les personnes ayant une connaissance directe du programme avec lesquelles je me suis entretenu et qui participent encore au programme. Ah, la Monsieur Grosch comprend que la peine encourue pour avoir menti sous serment est la prison. Il a proposé à plusieurs reprises au cours de son témoignage de, fou de fournir, confidentiellement, comme l'exige la loi, des détails spécifiques aux législateurs. M. Grosh, M. Graves et le commandant Flavor sont loin d'être les seuls. Récemment, d'autres personnes en mesure de savoir ce que le gouvernement américain sait sur le sujet se sont manifestées. Ainsi, l'océanographe et contre-amiral de la marine américaine à la retraite Timothy Cole Gallaudet. A reconnu avoir vu des images de PAN lorsqu'il était en service actif. Certains de ces pans ont montré qu'ils étaient capables d'aller sous l'eau, la capacité transmédia décrite souvent dans les rapports des pans. Il s'est également déclaré convaincu de la véracité des affirmations de M. Grosch. Le colonel Carl E. Nell, récemment retraité de l'armée américaine, actuellement cadre dans l'aérospatiale, ainsi que Christopher Mellon, qui a passé près de 20 ans dans la communauté du renseignement américain et a été secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, ont donné de la crédibilité à l'affirmation selon laquelle il existe des programmes actifs de récupération de crash de pan et de rétro-ingénierie. James Lakatsky a fait de même dans un livre dont la publication a été officiellement autorisée par le Defense Office of Pre-Publication and Security Review du ministère américain de la Défense. Bien que le processus de divulgation soit relativement jeune, puisqu'il n'a député publiquement qu'en 2017, le phénomène lui-même semble être au moins aussi vieux que l'humanité. La mythologie ancienne, religieuse ou autre, contient des récits largement compatibles avec les observations de Pan. Et des chercheurs sérieux, dont le plus éminent, le plus compétent et le plus fiable, à mon avis, est l'astronome et informaticien français Jacques Vallée, collectent des données à ce sujet, appliquent des analyses statistiques à ces données et tirent des conclusions de ces analyses depuis des décennies maintenant. Les frontières que nous traçons entre le mental et le physique, ne semble pas être observé par le phénomène, qui transite nonchalamment d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation. Le docteur Vallée reconnaît l'aspect physique indéniable du phénomène. Il peut être filmé, suivi par des radars et d'autres capteurs, il émet une énergie mesurable, il laisse souvent des empreintes et des vestiges physiques derrière lui. Mais il ajoute qu'au moins une partie de ce que vivent les témoins est mise en scène. Les pans évoquent parfois des images archétypales et symboliques directement dans l'esprit du témoin pour transmettre un message métaphorique chargé de sentiments qui transcendent les caractéristiques objectivement mesurables du phénomène. La deuxième conclusion pertinente des travaux de Dr. Vallée est que le comportement des pans n'est pas compatible avec l'hypothèse extraterrestre voire le chapitre 9 de son livre Dimension, euh, qui était dans ma bibliothèque mais que j'ai offert à mon père. Le docteur Vallée a estimé que sur une période de seulement 20 ans, il y a eu environ 3 millions d'atterrissages de pans. Cela ne correspond pas à des visites d'êtres venus d'une autre planète dans le but d'étudier la Terre ou de faire des recherches sur ses habitants. Des ordres de grandeur, de visites en moins, ont suffi à ces fins. Au contraire, le comportement des pans est précisément ce à quoi on s'attendrait s'ils venaient d'ici et s'ils vaquaient simplement à leurs occupations. Après tout, il existe de nombreuses espèces animales et végétales rares et certaines moins rares que les êtres humains rencontrent beaucoup moins souvent que 150 000 fois par an. Et elles sont indéniablement terrestres. Dans son entretien avec M. Coultard, le docteur Nolan a également exprimé l'avis que les pans ne sont possiblement pas extraterrestres. Ces pans, tôles et boulons sont plus fréquemment observés à proximité d'exercices et d'installations militaires, en particulier d'installations nucléaires. C'est le cas depuis des décennies, les récentes vidéos d'OVNI du Pentagone ne faisant que réitérer ce schéma. Ils ne semblent pas vouloir nous apprendre quoi que ce soit, mais simplement surveiller les activités humaines qui pourraient entraîner une destruction à grande échelle et compromettre l'habitabilité de la planète. C'est d'ailleurs exactement ce à quoi on s'attendrait si une intelligence non humaine en question était d'origine terrestre. Contrairement à ce qui précède, une autre catégorie d'observation concerne les rencontres dans la chambre à coucher, à l'école, sur le trajet de retour du travail, et dans d'autres situations ordinaires et aléatoires, sans rapport. Avec l'activité militaire, il s'agit des événements dits très étranges qui englobent les cas de contact extraterrestres et d'enlèvement extraterrestre. Je crois que ces visions sont réelles en tant que telles. Elles font partie d'un mécanisme naturel de rétroaction intrinsèque à l'esprit humain qui cherche à les déloger des visions du monde ossifié qui, bien que devenues stables, ne servent plus à l'avancement de notre compréhension de nous-mêmes et de la nature. Fin de la première partie. Mon très cher Guillaume, que penses-tu de la réf oh. réflexion du docteur Kessrop Oh la vache, c'est... Euh... Je... Si j'avais lu ce truc-là il y a deux ans et demi, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps dans euh, ma compréhension du phénomène. Euh, parce que bah, quand on découvre le sujet revenu, quand on commence à hausser un sourcil, c'est-à-dire à déterminer que ce n'est pas qu'une vaste blague, euh, on entre là-dedans à ah, pieds joints en se disant « Ah bon, d'accord, donc en fait, il y a des extraterrestres dans des soucoupes volantes. » Et puis petit à petit, je me souviens très bien, il y a deux ans, quand tu m'as accueilli sur la chaîne, <laughs> tu m'as tout de suite dit « Ouais, bah, si tu t'attends à monter dans une soucoupe volante pour aller voir une autre planète avec des extraterrestres, tu vas, tu vas être déçu. » Tu n'as pas élaboré, euh, t as, t pas comme, comme à ton habitude, tu m'as dit « Non, je vais te laisser apprendre tout seul. » C'est très énervant d'ailleurs, <laughs> mais... Euh, je le fais moi, que... je le fais moins, je me retiens. J'ai vu que l'audience la, prenait ta défense en disant oh, Ah, Baptiste, t'es méchant, dis dis ce que tu penses à Guillaume. Et donc, je le fais moi, je le fais moi. Comme quoi, vous voyez, à force de taper sur la barbac, elle s'attendrit. Donc il faut continuer. <laughs> C'est ce, ce bon, il le... y a de la marche sur la mienne, vous pouvez y aller. C'est <laughs> ça, on peut, on peut y aller fort. Euh, non, et, et finalement, euh, vous voyez, donc ce que raconte euh, notre brave. Euh, comment il s'appelle Castro 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 Enfin, Castrop. monsieur Castrup euh, correspond effectivement à peu près à, euh, à là où j'en suis dans ma, dans ma compréhension, ou plutôt dans mon incompréhension, devrais-je dire, euh, du phénomène. C'est-à-dire qu'on a effectivement, je trouve qu'il a eu une phrase très forte qui est, et je vais vous la reciter ici euh, Les frontières que nous traçons entre le mental et le physique ne semblent pas être observées par le phénomène qui transite nonchalamment d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation. Enfin, si vous balancez ça à, euh, à quelqu'un qui, qui vient tout juste d'accepter que les ovnis sont un, un sujet euh, valide d'intérêt, il pourrait faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Parce que, en gros, ce que le bonhomme explique là, en filigrane, c'est que la magie existe à peu près. quoi. En gros, euh, le mental, le physique, tout ça, ça se mélange. Enfin, c'est à dormir debout cette histoire quand on y réfléchit. Mais c'est vrai que quand on compile les témoignages d'OVNI, voilà, consignés par la gendarmerie, le GEPAN et autres, quand on regarde les rapports de la CIA, bref, quand on regarde des, des documents émanant de sources a priori euh, fiables, euh, eh bien, euh, se dessine euh, une espèce de pff, d'incohérence générale par rapport à ce concept de simple objet physique qui viendrait d'un autre endroit de l'univers pour nous explorer. Il y a des choses qui ne collent pas. Voilà. Et je trouve que ce phénomène qui est si protéiforme, si varié, euh, bah effectivement, euh, me semble très cohérent avec la phrase que, que je vous ai lue ici. C'est-à-dire bah, on n'est pas exactement sur un phénomène strictement physique. Euh, et on n'est pas non plus sur quelque chose de strictement mental, c'est-à-dire un genre d'hallucination ou de fantasme ou d'idée ou projetée. Non, c'est un truc qui fait les deux. Voilà. Aussi dingue que ça puisse paraître. Alors moi, il y, y a une raison pour laquelle j'ai coupé l'article à ce, ce moment-là, parce que je pense qu'il faut qu'on approfondisse sur la dernière phrase, qui est très longue, d'ailleurs pour une phrase en anglais. Je crois que ces visions sont réelles en tant que telles. Ouais. Elles font partie d'un mécanisme naturel. De rétroaction intrinsèque à l'esprit humain. Je pense que là, ça mérite explication. Oui, et là, tu Mégan... es merde. Hein. <laughs> mécanisme naturel, c'est-à-dire que c'est le mode de, par défaut du fonctionnement du cerveau humain. Rétroaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est perçu par vous et c'est interprété par une partie de votre cerveau qui crée un effet de rétroaction. C'est-à-dire que vous percevez pas euh, la tasse. C'est vous percevez des signaux issus de vos sens, votre cerveau en fournit une, une interprétation et il envoie ça dans la partie consciente de votre cerveau en vous disant Bon, si tu veux du café, il y en a là. Donc, tout, vous, vous vivez en, fait, en permanence dans une illusion créée par votre mémoire visuelle de, des éléments qui se passent. Il y a eu une étude très récente, qui euh, doit avoir un an, un truc comme ça, euh, sur la, 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 le, fin, la faiblesse de la mémoire visuelle humaine. Et la mémoire visuelle a une limite de 15 minutes. C'est-à-dire que si quelque chose là dans le décor change dans un intervalle de 15 minutes. Par exemple, il y a un des bouquins là qui devient différent dans un intervalle de 15 minutes, puis 15 minutes plus tard un autre bouquin, puis 15 minutes plus tard un autre bouquin. Votre mémoire va juste les enregistrer comme étant le même décor. Et à la fin, tout le décor aura changé, mais votre mémoire vous dira que non, c'est la même chose, ça n'a pas changé, parce que les mouvements sont trop lents par rapport à la capacité de rétention de la mémoire. Donc ça, c'est un mécanisme, par exemple, de rétroaction intrinsèque. Mais là, on a une rétroaction d'un signal qui nous vient de l'extérieur et qui, selon Kastrop, cherche à déloger les visions du monde ossifiées qui, bien que devenues stables, ne servent plus à l'avancement de notre compréhension de nous-mêmes et de la nature. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en dehors de l'humain nous envoie des messages pour forcer notre système de rétroaction intrinsèque à nous envoyer des nouveaux modes d'information pour que on élargisse notre conception de ce qui est possible dans la nature voilà l'explication du texte c'est à peu près confusément ce que j'avais compris euh, mais euh, ça reste ça reste assez dingue puisque euh, le le sous-texte derrière, c'est oui, oui, on, nous sommes manipulés et euh, éduqués et formés par un truc. Quelque chose. Euh, ouais, quelque ouais. chose. Ce qui est très très flippant. Hein, ce, là, là, je ne sais pas. Il euh, faut, faut bien comprendre que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous injecte des idées venues de l'extérieur sans no notre consentement pour nous forcer à changer nos idées de l'intérieur. Bah, c'est <laughs> très flippant pour l'athée pour pour que je suis. Mais les gens qui sont, qui sont religieux, religieux et qui pensent déjà qu'il y a une force supérieure qui, euh, qui les chapeaute, finalement, est-ce que ça va tellement les choquer ah, Il y a une citation géniale, mais je ne vais pas l'avoir en tête c'est genre. Euh, euh, la religion devient inquiétante à partir du moment où tu entends Dieu te répondre. Ah, oui. Bah, oui, bah, oui, effectivement. Ouais. Enfin, euh, il existe ou il n'existe pas, tu vois. Mmh. Non, mais si d'ailleurs, on va en reparler juste après dans un autre article. Ah, OK. Non, non mais vas-y, vas-y, vas continue. Non, 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 si, si, il faut y aller. Euh, non, non, mais j'ai fini sur le sujet. Non, je, voulais, ouais. je voulais juste euh, citer un de nos, une de nos sentinelles, puisqu'on va les appeler comme ça maintenant. Euh, Corben D44, qui nous précise, euh, dans la foulée de ce que je disais tout à l'heure, on a un phénomène protéiforme qui fait à la fois. Les trucs mentaux et les trucs physiques. Corben nous dit, les deux sources sont possibles. Sous-entendu, peut-être qu'il y a des trucs qui sont strictement physiques, par exemple, pourquoi pas des extraterrestres, euh, et il y a peut-être à côté de ça un truc strictement mental qui ne fait que ça. Bah mais c'est littéralement l'objet de l'article, hein, c'est de dire que oui, il y a deux catégories, mais elles sont complètement différentes. Et on en avait parlé il y a. Ah, je pense que c'était avant que tu viennes sur la chaîne, quand euh, on m'avait balancé, mais quelle est, euh, quelle est ton hypothèse pour expliquer le, le sujet Et j'avais expliqué qu'il y avait euh, un phénomène qui, à l'évidence, faisait semblant d'être extraterrestre pour cacher ce qu'il était réellement. Et c'est ce qui est décrit là, en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'apparence le, 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 culturelle des extraterrestres qu'on a pour euh, être dissimulés euh, à, à l'enquête, puisqu'il y a un tabou sur le sujet. Donc, ce qu'on es en train de sous-entendre, excuse-moi. C'est qu'il y a peut-être des extraterrestres et qu'à côté de ça, un phénomène qui se fait passer pour ces mêmes extraterrestres. Bah, C'est-à-dire que si tu prends l'ensemble des cas qui existent dans la littérature et tu de créer un système de catégories pour les ranger et que ta seule condition, c'est qu'il y ait le moins de catégories possible pour que euh, le, ton système marche. De mon point de vue, et on prend là que les anomalies euh, correctes, c'est-à-dire qu'on vire les 90% qui sont de la mauvaise interprétation. Tout ce qui reste, c'est à l'intérieur des 10% qui sont en béton armé et qui sont vraiment anormaux. Il y a une partie qui sera, de mon point de vue, statistiquement, forcément des objets extraterrestres, puisqu'il suffit qu'il y ait la vie quelque part une fois d'autres sur l'univers qui ait eu envie d'envoyer des sondes pour qu'on en rencontre. Donc, pour moi, c'est bouclé. Je ne pense pas que ce soit la plupart des cas. Une deuxième hypothèse, c'est comme c'est expliqué dans le texte, quelque chose qui soit du système solaire ou de la planète Terre ou de Mars, c'est con, hein, mais avant les années 70, on considérait que Mars était euh, habité, et qui est survécu dans le secteur, et simplement, on a des outils de détection qui sont relativement bons pour voir très très loin, mais on a des outils complètement pourris pour voir ce qui se passe dans le système solaire, et c'est pour ça qu'on est même en train de mettre en place un télescope qui s'appelle Vera Rubin, spécifiquement pour voir ce qui se passe dans le système solaire, parce qu'on a une connaissance très faible. Et la troisième catégorie, c'était des phénomènes de haute étrangeté qui ressemblent dans leur description à ce qu'on aurait dans des rencontres rapprochées avec des extraterrestres, mais qui, quand tu regardes l'ensemble des cas, ont un niveau d'absurdité qui fait que bah, ça fait semblant quand même. C'est ce que Jacques Vallée décrivait comme étant une scène de théâtre. Moi, je ne vois pas trop ça comme une scène de théâtre, mais plus comme une dissimulation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se masque derrière ça pour interagir. La question, c'est qu'est-ce qui est derrière ce masque Et je pense que c'est la question que Jacques aller posait en disant qu'il voulait voir... Il n'était pas très intéressé par la projection, mais il voulait voir qui manipulait le projecteur. Et là-dessus, là je le rejoins, sur ce, ce, ce segment-là. Mon intérêt primaire, à moi, c'est d'aller choper une des sondes extraterrestres pour choper le réacteur et euh, qu'on arrête de, de polluer la planète avec euh, les, euh, les usines à charbon électrique allemandes. Mais euh, c'est mon point de vue personnel. Euh, des personnes beaucoup plus orientées sur la dimension euh, mentale, on va dire, euh, seront beaucoup plus intéressées par euh, entrer en communication avec quelque chose qui pourrait simplement être l'écho de leurs propres pensées reprochées à elles. Très bien. Nous reprenons l'article. Mais je ne pense pas que le phénomène de grande étrangeté soit le même que celui des pans euh, simples. Comprend, confondre les deux, à mon avis, peut rendre impossible de rendre compte de l'un ou de l'autre, car aucun compte ne sera cohérent avec les caractéristiques parfois mutuellement contradictoires des deux. Pour cette raison, et parce que j'ai exploré le phénomène de haute étrangeté dans des travaux antérieurs, je ne parlerai dorénavant que du phénomène des pans en tôle et boulot. Étant donné que le développement de haute technologie nécessite du moins au début une infrastructure industrielle étendue toute civilisation ancienne capable d'une technologie aussi avancée que les pans aura presque inévitablement dû passer par des étapes d'industrialisation et d'extraction des ressources analogues aux nôtres et même plus elle aura dû passer par des phases d'urbanisation d'extraction de métaux de combustion d'hydrocarbures de construction de vastes parcs industriels d'infrastructures logistiques et de transports si l'intelligence à l'origine des pans est terrestre. Elle devra donc être suffisamment ancienne pour que les empreintes associées aient été presque entièrement effacées par les processus météorologiques et géologiques naturels. Mais elle devra aussi être suffisamment récente pour avoir déjà eu accès à des hydrocarbures fossiles afin d'alimenter les premiers stades de son développement d'industrialisation. Ces contraintes apparemment contradictoires sont-elles conciliables? Elles le sont selon l'hypothèse dite silurienne proposée pour la première fois par Gavin Schmidt et Adam Frank dans un article publié en 2018 dans l'International Journal of Astrobiology. L'idée est la suivante. Notre planète existe depuis environ 4,5 milliards d'années. La vie y est présente depuis environ 4 milliards d'années. Le genre Homo auquel nous appartenons existe depuis moins de 3 millions de ces 4 Milliards d'années, soit un clin d'œil en termes géologiques. Et l'homme moderne, Homo sapiens, depuis seulement deux ou trois cents milliers d'années. Il y a donc suffisamment de temps et d'occasion pour que d'autres espèces non humaines soient apparues sur Terre et atteint un niveau technologique bien supérieur au nôtre. Imaginez où en seront notre science et notre technologie dans un millier d'années, si nous ne nous, si nous ne nous tuons pas avant, puis est effectivement disparu à la suite d'un ou de plusieurs des innombrables cataclysmes susceptibles de mettre fin à notre civilisation. Changement ou effondrement climatique, impact de comètes ou d'astéroïdes, pandémie, tempête solaire, guerre thermonucléaire. Toute trace d'infrastructures urbaine et industrielle abandonnée a peu de chances de survivre à une période de quelques millions d'années seulement. En raison de l'érosion météorologique, les produits chimiques synthétisés, les alliages et autres composés, les artefacts technologiques, ainsi que les traces de, sur le terrain telles que des mines ont finalement peu de chances de survivre au recyclage constant de la croûte terrestre par la tectonique des plaques. Ce qui est aujourd'hui, la croûte terrestre finira par s'enfoncer dans la sténosphère et le manteau en fusion qui se trouve en dessous, où elle sera reforgée pour réapparaître par l'activité volcanique sous la forme d'une toute nouvelle croûte. En supposant un mouvement moyen des plaques de quelques centimètres par an, il ne faudrait que quelques dizaines de millions d'années pour que de larges pans de la croûte terrestre, en particulier la croûte océanique, mais aussi dans une moindre mesure la croûte continentale, soient recyclés de cette manière. Aucun vestige visible d'une civilisation ancienne, technologique et non humaine, ne survivrait probablement à tout cela. Nous sommes douloureusement conscients de la facilité et de la rapidité avec lesquelles notre existence peut prendre fin demain par une guerre thermonucléaire, un impact d'astéroïdes ou un tel effondrement climatique, ou même une pandémie plus meurtrière que celle à laquelle nous venons de survivre. Pourtant, il est peu probable que tous les membres de notre espèce meurent dans une catastrophe planétaire. Il y a de bonnes chances que, Quelques-uns parmi nous, mais suffisamment, survivent dans des abris et conservent un niveau minimal de connaissances pour maintenir certaines de nos technologies. Surtout si nous sommes prévenus à l'avance de l'imminence de la catastrophe. D'ici une ou deux décennies, par exemple, nous aurons probablement maîtrisé la technologie des réacteurs nucléaires portables, propres, et de petite taille, qui peuvent être enterrés dans une arrière-cour ou une grotte, et fournir une énergie effectivement illimitée. La communication au niveau intellectuel entre les intelligences non humaines terrestres plus avancées et nous nécessitera un accès direct à nos processus cognitifs. Ils devront moduler directement nos propres références et modes abstraits. En d'autres termes, ils devront nous transmettre leurs idées en incitant notre esprit à s'articuler à ces idées lui-même, en utilisant son propre dictionnaire conceptuel et ses propres structures grammaticales. Et comme leur message, un, un produit de leur propre cognition incommensurable avec le nôtre, ne correspondra pas nécessairement à notre grammaire et à notre niveau conceptuel, cette articulation devra nécessairement être symbolique. Métaphorique, elle devra porter vers le sens voulu, par opposition à l'incarnation directe ou littérale du sens voulu. Si les produits biologiques qui se trouvent dans les congélateurs du pouvoir en place ont la même biochimie que nous, je pense que l'on peut supposer qu'ils sont terrestres. Ce sont nos cousins plus âgés, probablement traumatisés à jamais par des cataclysmes planétaires antérieurs, et certainement pas des extraterrestres. Une autre prédiction de cette hypothèse ultraterrestre est la suivante. Les matériaux, par exemple les métaux, utilisés dans les engins issus de pans devraient avoir des rapports isotopiques compatibles avec une origine terrestre. Par opposition à une origine extérieure au système solaire. Si les autorités en place sont en possession d'un tel engin, ce test ne devrait pas être difficile à réaliser. Fin des extraits alors, j'ai beaucoup aimé cet article, honnêtement. Euh, la fin est un peu plus décousue parce que ça, je vous le dis, hein, c'est un bouquin qui fait euh, 20-25 pages. Euh, mais c'est quelques arguments que j'ai trouvés très, 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 très bien. Donc, le premier est sur le fait que euh, des espèces puissent survivre pendant un très long temps, ça, on sait que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas dans l'histoire où on a eu des extinctions de masse, où là, on a vraiment des espèces qui disparaissent. Mais buter une espèce en un seul coup est très très compliqué. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'on parle beaucoup quand une espèce disparaît de la planète, mais on a eu quelques cas, en fait, dans l'histoire, où on a pensé qu'une espèce avait disparu, et en fait, 30, 40, 50 ans plus tard, on retrouve un individu de cette espèce-là, montrant qu'une toute petite communauté arrive à survivre quelque part. De même, il n'y a aucune maladie euh, produite dans la nature n'a un taux de mortalité de 100%. Une maladie, c'est quand vous avez un parasite qui va, qui saute d'une espèce à une autre, il n'est pas adapté à cette espèce-là, et du coup, alors qu'il cherche à se reproduire, il provoque la mort de l'individu. C'est pour ça qu'on a des, je crois que c'est ici le terme, c'est-à-dire qu'on a une épidémie mortelle à partir du moment où un virus euh, ou une bactérie qui habite et qui est contaminée à l'intérieur d'une population animale saute d'une espèce animale dans une autre. Là où on a des maladies qui sont beaucoup plus euh, brutales, c'est quand on les fabrique, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des virus, fabriquer un virus dont le but est de buter son hôte, son autre. Ce sont des maladies, euh, des armes euh, biologiques dont on parlait avec Alain Juillet la dernière fois et qui malheureusement existent toujours. Mais dans la nature, vous n'avez jamais de, de maladie qui tue à 100% des euh, 100% de la population parce que c'est pas le but d'une maladie. Une maladie, est simplement le symptôme de la propagation d'une espèce. Donc, j'ai trouvé ce, cette partie de l'article-là très intéressante parce qu'on pourrait imaginer que ce qu'une des explications de ce que l'on rencontre. Soit en fait les survivants d'une espèce extrêmement développée technologiquement, mais qui ait perdu leur fondation industrielle et qui n'est pas le nombre d'individus pour réussir à redévelopper une civilisation. Ou qui, par éthique, considérant que nous sommes apparus, décide de se retirer en nous laissant nous autodétruire nous-mêmes pour ensuite revenir à la et prendre la place. Je... L'avantage, c'est qu'en fait, ça fournit plein de scénarios qui sont moins, euh, moins univoques que ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans la science-fiction et qui sont euh, honnêtement sémantiquement vachement plus riches. Après, sur le fait que la communication soit impossible euh, parce que leur système de pensée est différent du nôtre, je pense que c'est du gros foutage de gueule, puisque nous on arrive à décoder les langages d'espèces qui n'ont mais absolument rien à voir avec nous. C'est-à-dire que là on arrive à décoder les euh, langages des abeilles. Enfin, je, la, la, la différence évolutive entre des humains et des abeilles, elle est quand même monstrueuse. On arrive à détecter ce qu'ils disent entre elles. C'est pas simple, mais on arrive à comprendre. Oui, mais attends, la différence évolutive dans un sens. Là, on, là il part du principe qu'on aurait affaire à des trucs qui seraient beaucoup plus évolués que nous. Et donc, euh, de notre point de vue, ce serait plus compliqué de comprendre ces bons hommes-là. Euh, tu tu non, mais ce n'est pas, pas les abeilles. Jeu, hein. C'est pas les abeilles qui cherchent à parler avec nous, c'est nous qui parlons aux, abelles, aux abeilles. J'entends bien, mais c'est plus facile pour nous de parler aux abeilles que pour les abeilles de nous comprendre. Oui, donc c'est plus simple pour eux de nous parler. Oui, mais pour nous parler, ils auraient plutôt besoin de simplifier leur langage, je suppose. De même qu'ils ont peut-être besoin de simplifier leur apparence pour qu'on comprenne. Euh, mais est ce qu'on arrive qu a très bien, bien à faire, nous avec des, des espèces qui sont beaucoup beaucoup plus primitives. Oh, ils, alors, personne n'aime que qu'on dise ce terme maintenant depuis les cinq dernières années. Avec des espèces qui sont considérablement euh, moins développées au niveau du nombre de neurones à l'intérieur du cerveau. Ah, tu es euh, plus con. Moi, non, jamais. <laughs> euh, donc, je je, je je pense que c'est une grosse blague quand même si on prend les cercles de culture, par exemple. Si tu peux faire un cercle, euh, tu peux faire une lettre. D'accord, il faut arrêter de, de faire des conneries. Donc, euh, et, et pour la peine, hein, euh, si vous allez voir la première vidéo de la chaîne, je parle des cercles de culture, mais des vrais cercles de culture, les tout premiers qui sont apparus. Donc, pour la peine, je pense que c'est du foutage de gueule, cette argumentation, c'est mon point de vue personnel. C'est une excellente excuse pour euh, donner l'impression que tu donnes envie de communiquer, mais qu'en fait tu communiques absolument rien. Euh... Ensuite, euh... Euh, bah, le jour où les abeilles font des fusées pour aller sur la Lune, vous me prévenez, ceux qui défendent la, la capacité euh, intellectuelle des abeilles. Ah oui, nous avons un doublé de notre docteur puisque puisqu'il euh, publie un article sur les fameux brevets OVNI de Salvatore Pais, ah, euh, concernant sur... Alors là, on pareil, hein, vous pouvez revenir en arrière dans les archives. En fait, c'est l'avantage d'avoir une chaîne, c'est que tu as littéralement une archive de tous les sujets dont on parle au fur et à mesure, et tu peux faire une update à chaque fois. Donc, le, le, les... on va quand même rappeler, Salvatore Pais, c'est un scientifique ingénieur, qui a été sous contrat avec euh, la Navy et euh, l'armée de l'air, et euh, dont on a trouvé son nom parce qu'à un moment, il y a des brevets qui ont été diffusés, qui semblaient décrire... D'ailleurs, je vais vous le montrer à l'écran. Euh, qui semblaient décrire des engins qui pouvaient faire ressembler à ce qu'on appellerait des pans. Donc, la question qu'on se posait, mais est-ce que c'est euh, un fake Alors non, ils sont vrais. Est-ce que, est, euh, est que ça fonctionne On est à peu près certain que non, puisqu'il n'a jamais réussi à montrer euh, un prototype qui fonctionne. Est-ce qu'il dit que ça fonctionne Oui, 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 il assure que son système fonctionne. Est-ce que la Navy les a fabriqués euh, Elle n'a pas fourni assez de pognon pour pouvoir les fabriquer, puisqu'on a les, les traces des financements de ces recherches. Et globalement, ça, 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 si vous voulez faire un prototype, ce sera dix fois le, le prix qu'il a été payé. Euh, du coup, à quoi ça sert Et c'est la réponse qu'essaye qu de répondre le docteur Kastrop. Petit extrait. Dans cet essai. Je soutiens que ces spéculations reposent sur une compréhension fondamentalement erronée de la manière dont se jouent les droits de propriété intellectuelle ou des pays en abrégé, ce qui inclut les brevets. Quelles que soient les inventions du NAOCAD, il ne s'agit pas de technologies de pan issues de la rétro-ingénierie. Il est presque certain qu'elles n'ont aucune importance pour la défense. Bien que je sois surtout connu comme philosophe et scientifique, j'ai passé près de 25 ans dans l'industrie de haute technologie à faire. De la stratégie technologique. J'ai été profondément immergé dans le monde de la propriété intellectuelle de haute technologie, ayant moi-même cofondé une société informatique, Silicon Hive, parler qui fait maintenant partie d'Intel, qui s'occupait de l'octroi de licences de propriété intellectuelle. À ce titre, bien que n'étant pas avocat moi-même, je suis qualifié pour donner mon avis sur les questions de brevets. Le cas de l'inventeur danois, Carl Kreyer, Croyer, je sais pas comment on prononce, souvent cité dans la littérature sur des brevets, illustre parfaitement ce que j'essaye de dire. Monsieur Croyer a inventé une méthode pour renflouer les navires coulés en pompant des corps flottants dans les jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment flottantes pour remonter d'elles-mêmes à la surface. Il a ensuite déposé une demande de brevet pour cette méthode. Or, oh il s'avère que dans un numéro de 1949 de la bande dessinée Donald Duck, dans une histoire intitulée The Sunken Yacht, le yacht coulé, une épave est remontée en la bourrant de balles de ping-pong. Cette bande dessinée constitue donc une antériorité susceptible d'invalider le brevet de M. Crawler. Que l'histoire de Donald Duck ait été ou non utilisée par l'Office des brevets pour refuser la demande de brevet n'a aucune importance. Le fait qu'elle ait... Le fait est qu'elle aurait pu être utilisée, car légalement, toute publication, même une bande dessinée de Donald Duck, reprenant l'idée en question, constitue une antériorité, c'est-à-dire un précédent historique. Par conséquent, personne ne dépose une demande de brevet dans le seul but d'empêcher d'autres personnes d'obtenir ce brevet. Car ce n'est tout simplement pas ainsi que le jeu fonctionne, et NoCAD le sait manifestement. La question qui se pose, est donc la suivante. Pourquoi alors la Marine poursuit-elle les demandes de brevets de pays par... Ce n'est pas parce qu'elles ont une importance militaire. Si c'était le cas, la Marine les garderait secrètes. Et ce n'est pas parce que la Marine se préoccupe des brevets déposés par d'autres pays. Lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, le droit international de la propriété intellectuelle n'a aucune importance. Que reste-t-il alors Il pourrait s'agir de quelque chose d'aussi simple que de souligner la pertinence et la valeur potentielle du travail de nos cadres, en le rendant visible grâce à l'attention que les médias ont accordée à ces demandes de brevets inhabituelles afin d'augmenter ou de protéger le financement. Cela pourrait également être dû à des applications moins sensationnelles mais pratiques de certaines concrétisations auxiliaires des inventions en dehors de la défense. Pensez à l'industrie de l'énergie, par exemple, pour lesquelles les brevets ont un sens sur le plan commercial. Si vous pensez que ces raisons sont trop triviales ou invraisemblables pour justifier le risque de réputation important que la marine a pris en revendiquant l'invention des moteurs à gravité et des inhibiteurs de masse inertielle, vous devrez rentrer dans le, dans un territoire spéculatif délicat. Je préfère m'abstenir. Ce que je suis prêt à faire, c'est commenter brièvement les effets des revendications de la marine, car ces effets ont des faits observables et non des spéculations. En outre, ils peuvent fournir des indications sur les objets initiaux des demandes de brevets. Là où les demandes de brevets ont clairement eu un effet, c'est parmi les Occidentaux qui ne sont pas familiarisés avec le droit des brevets et des pratiques en matière de propriété intellectuelle. En d'autres termes, les gens ordinaires qui vivent dans les rues de nos villes. Nombre de ces personnes pensent peut-être maintenant que les observations de PAN ne sont pas aussi magiques et absurdes qu'elles semblaient l'être au départ. Car même nous, simples êtres humains, produisons maintenant des inventions apparemment crédibles, approuvées par la marine, qui peuvent ostensiblement reproduire au moins certaines de ces observations. Alors peut-être que les histoires de PAN ne sont pas invraisemblables après tout. Hein Peut-être y a-t-il quelque chose dans ces histoires, quelque chose qui a du sens sur le plan scientifique et qui ne nous oblige pas à une idéation mystique délicate. Il s'agit là d'un effet factuel au niveau de la culture des demandes de brevets de pays. Était-ce délibéré Je ne sais pas, mais je sais ceci. En choisissant les demandes de brevets, qui sont intrinsèquement associées à des percées technologiques dans la psyché populaire, la marine s'est assurée qu'elle attirerait beaucoup l'attention des médias. Ce qu'elle a d'ailleurs fait. L'objectif sous-jacent de cette démarche pourrait-il être le souhait bienveillant d'aider à préparer la psyché collective des sociétés occidentales à la divulgation Encore une fois, je n'en sais rien, mais cette explication semble moins invraisemblable que d'autres pour expliquer une démarche aussi inhabituelle. Mon cher Guillaume, qu'en penses-tu bah Oui, c'est intéressant. Enfin, on en revient un petit peu. On tourne en rond autour de cette question. Tout le monde se pose dans la communauté des gens qui s'intéressent aux ovnis. Tout le monde se demande s'il y a un plan autour de la divulgation. Alors, on sait qu'à partir de. Depuis 2023, il y a au moins une tentative de plan, puisque c'est carrément le nom. Euh, du projet de loi euh, de, de Chuck Schumer, le leader de la, de la majorité démocrate euh, projet qui a capoté, enfin il est passé mais en, dans une version extrêmement tronquée projet de loi qui s'appelait euh, enfin l'amendement euh, à une loi qui s'appelait euh, euh, divulgation dépend pour faire, pour faire simple quoi. donc euh, si on se base sur euh, le nom de cet amendement là bah, euh, on peut considérer que l'hypothèse de M. Castrop euh, n'est pas absurde. Après, elle a imaginé que la Navy, qui a soutenu les, euh, les, les brevets de Païs, euh, ait fait ça uniquement pour euh, faire avancer euh, la crédibilité des pans dans, dans l'esprit des gens, alors même que euh, bah, la Navy euh, n'a pas historiquement exactement joué la transparence sur les pans Bon, je, je sais pas trop quoi en penser. J'ai du mal à à, à à dessiner une cohérence à travers tout ça. Donc, euh, pff, je dirais que de la part d'une partie du corps politique, il y a clairement un plan pour préparer la population à la, à la divulgation de ce sujet. Euh, mais du côté militaire, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Qu'est-ce que tu en penses, toi bah, euh... C'est un, un peu un marronnier cette histoire parce qu'elle revient tous les ans euh, et favorisée malheureusement par euh, Theories of Ag Everything de Kurt Mangal qui, bah, qui fait du, 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 un travail euh, superbe hein, la plupart du temps, mais qui là, je pense, marche dans le, marche dans le piège de la communication euh, de la marine. On sait que la marine veut que l'on parle des ovnis, surtout des ovnis aériens. Vous remarquerez que les brevets dont on parle, ce sont des objets qui peuvent voler. Qui dit la gravité, elle parle pas de prototype sous-marin. Hein. Ah oui. hein, 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 hein. euh, donc là, pour la peine, je pense qu'on est. Euh, je, honnêtement, l'hypothèse de, euh, de Castrop euh, ne m'était pas venue à l'esprit, c'est-à-dire que ce soit une, un coup de pub de la Navy. Franchement, depuis que j'ai lu l'article, je me dis, c'est l'hypothèse qui tient le mieux, en fait. Parce que c'est vrai que c'est superbe comme, comme idée. Oui, alors on peut aussi interpréter euh, d'une autre façon ce qu'il dit euh, lorsqu'il écrit. Donc euh, en gros, il dit que, que, que c'est un moyen euh, euh, de rendre le concept de ces objets volants euh, scientifiquement acceptable sans avoir à, à forcément penser à quelque chose de de divin ou de magique. Euh, euh, oui ou alors on peut se dire que euh, l'armée se débrouille pour faire comprendre à l'humanité que en fait euh, les ovnis, c'est nous. Hein euh, ça fait des décennies qu'on bricole des trucs dans notre coin. Euh, tout ça c'est nous. c'est les états-unis euh, ou à tout le moins c'est l'humanité. c'est pas des trucs qui viennent. c'est pas une autre. c'est pas une intelligence non humaine. Vous voyez bien qu'on est capable de produire ce genre de machin là, on est capable de produire des, des trucs triangulaires. Et d'ailleurs, je constate que à chaque sortie d'un nouveau gadget, d'un nouveau drone qui est capable de, de faire des démarrages hyper rapides, euh, je ne peux pas m'empêcher de dire, c'est pas vrai, ils sont en train, de, à chaque nouvelle invention, de rendre euh, de plus en plus difficile. À croire l'hypothèse non humaine, puisqu'effectivement on voit bien qu'on est capable de fabriquer des, des machins de plus en plus incroyables et ça devient de plus en plus compliqué de dire en 2023, euh, bah oui, bah le tic-tac c'est forcément pas humain, ah oui, bah regardez cette nouvelle vidéo de ce nouveau drone qui est capable de passer de 0 à, à 100 km/h en une fraction de seconde. Hein du coup, bon, c'est pour ça qu'il est si important qu'on ne lâche pas les cas historiques. Parce qu'autant, bon, le drone qui fait de, du 0 à 100 en une fraction de seconde en 2023, on peut l'imaginer, en 1947, c'est débile. Donc voilà, il ne faut surtout pas qu'on oublie les vieux cas. Bah, très très bonne analyse. Euh, personnellement, honnêtement, le, le coup de com de la marine, je trouve ça génial. Je, je, je ne peux que plus soigner cette, cette théorie. Ensuite, nous avons toujours dans le débrief euh, le fait qu'un objet a fait un trou dans un des moteurs d'un avion euh, et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors il y a deux possibilités, soit c'était un drone qui a percuté à pleine vitesse l'avion, drone dans le sens large du terme, hein, euh, soit c'était euh, le moteur qui a eu une faille critique et un morceau du moteur qui a littéralement transpercé la paroi de euh, la carlingue. Euh, donc, on a très peu d'informations sur le sujet. Euh, on sait que la FAA est en train de mener une enquête et quand on en saura plus, évidemment, on vous tiendra au courant. On a eu aussi une interview avec Jacques Vallée sur la chaîne du débrief, mais ça, je pense qu'on va faire, attendre l'émission avec le docteur Futuro pour euh, euh, vous faire un gros package ar intelligence artificielle et euh, ovni, parce que ça fait un peu depuis euh, octobre qu'on doit la faire, donc euh, ça... <Celecque> on n'est pas du tout en retard. Euh, et on a eu notre nouveau très gros dossier, oh. le, le retour de Darth Vader, et c'est Dark, oui. hein, c'est pas Dark, le ouais, docteur Sean Kirkpatrick qui publie dans Scientific American, euh, euh, l'édition en France c'est euh, pour la science si je me rappelle bien, donc c'est pas une, une revue, pardon Parce qu'il y a une version française Ouais, ouais euh, pour la science c'est la version euh, française de Scientific American. Euh, mais ce n'est pas une revue qui, a, euh, qui est à comité de relecture, ce n'est pas une revue scientifique, c'est une revue de vulgarisation scientifique. Il y a souvent l'erreur qui est faite. Par contre, c'est une revue de vulgarisation scientifique qui est la plus citée parmi les vrais papiers scientifiques. Donc c'est un statut assez étrange, mais globalement, c'est prestigieux quand on est américain. Mmh. Voici ce que j'ai appris quand j'étais le leader de la chasse aux ovnis pour le gouvernement américain. Pareil, je vais vous faire des extraits qui sont assez... Euh, euh, intéressant pardon excusez-moi je dois rester neutre en tant que journaliste après avoir laborieusement constitué une équipe de personnes très talentueuses ah oui non excusez-moi ton cœur Patrick ton Kirk Patrick pense cœur Patrick pense cœur après avoir laborieusement constitué une équipe de personnes non, il faut, es que monsieur, il faut que tu fasses Smithers des Simpsons, Tu sais, le secrétaire de. Ah. de, de, de M. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, gars, exactement ça. Non, il est On beaucoup est moins aigu que ça. Constitué une de Mais c'est beaucoup trop aigu. Il a une voix vachement basse en fait, vachement murmurée. Ouais. Non, non, c'est une fausse, c'est une fausse voix grave. C'est une fausse voix. C'est <laughs> juste qu'il parle. C'est une affectation. <laughs> <exactement. rire> Après avoir oh pardon, laborieusement la vie, constitué une équipe de personnes très talentueuses et motivées et travaillé avec elles pour élaborer une stratégie rationnelle, systématique et scientifique d'investigation de ces phénomènes, nos efforts ont été finalement réduits à néant par des affirmations sensationnelles, mais non étayées. Qui ignoraient les preuves contradictoires et ont pourtant capté l'attention des décideurs politiques et du public, menant des batailles législatives et dominant l'opinion publique. Guillaume, quel est le sens de cette phrase euh, Alors attends, c'est pas de chance, j'étais en train de lire les commentaires. Mmh, mmh, parce que moi, mmh. le cœur de Patrick, je l'ai lu tout à l'heure. Oui oui. Et euh, eh je oui. me suis dit c'est l'heure de la tisane parce que là. Euh... Eh oui. Et non et cette phrase est extrêmement intéressante parce qu'elle nous explique pourquoi est-ce qu'il a quitté ses fonctions. Je vous relis la, la partie importante. Après avoir laborieusement travaillé, nos efforts ont finalement oui. été réduits à néant par des affirmations sensationnelles. Oui bah Grosh. Kirk, Patrick s'est fait éjecter de son poste par les déclarations de Grosh. Comment ça s'est produit? Capter l'attention des décideurs politiques et du public. Kirkpatrick Patrick s'est fait éjecter de son poste. C'est la plus belle admission qu'on puisse lire. Oh, je trouve qu'on peut, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Enfin, ah bah vas-y, ah vas-y. Ça c'est le plus, c'est le. Non mais, je, je veux dire, c'est sa parole contre, 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 <laughs> contre, celle d'autres. Je veux dire, et on n'a aucun moyen de savoir si c'est effectivement pas sa décision de se barrer après c'est vrai que partir au bout de seulement euh, un an bon c'est toujours un peu suspect euh, nos efforts euh, ont tôté... finalement été réduits à néant par Roche c'est ça qui est dit hein, dans la phrase c'est camouflé c'est une phrase qui fait Mais littéralement non. cinq lignes hein, six lignes Mais bah alors non c'est pas du tout comme ça que je que je l'interprète moi qui ignorait les preuves contradictoires et ont pourtant capté l'attention des décideurs politiques et du public. Bah pour menant moi, des batailles le... législatives et dominant l'opinion oui, publique. Non, non, mais on est d'accord qu'il parle de Grush. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je ne pense pas qu'il soit parti. Euh, je pense que c'était prévu qu'il parte à ce moment-là, depuis le début. Qu'il avait sa petite place chez Oak Ridge Laboratories, auprès de son copain Ronald Moultrie, que c'était prévu depuis le départ, euh, qu'il allait devoir euh, voilà, manger son pain noir. Euh, euh, en, en chapeautant Arrow, en faisant croire que ce sujet euh, est parfaitement prosaïque, alors que, à mon avis, c'est parfaitement que ce n'est pas le cas. Euh, et là, il se sert euh, de, euh, on va dire, du, euh, de la dramaturgie Grush euh, pour euh, pour expliquer la fin de son mandat, parce qu'évidemment, alors... à aucun moment, il peut il peut admettre que c'était prévu qu'il qu se barre. Si, mais il l'a dit, dire, ça. Moi, non, non, si, si, il l'a dit, il l'a dit. Euh, mais en fait, ça, c'est la narration que lui a dit. Il a dit, mais j'ai jamais été à ce poste pour être là euh, un longtemps. J'étais juste là, et c'est ma spécialité au Département de la Défense pour créer des organisations et euh, ensuite euh, donner l'organisation établie euh, au prochain dirigeant. Non, ça, c'est ce qu'il, lui, c'est ce que lui a déclaré. C'était son excuse pour partir, en fait. Bon, bah, euh, du coup. Euh... Du coup, tu ne peux pas, pas, pas souffler le chaud et le froid, là, Baptiste. Tu es en train de nous dire d'un côté. Je ne vais pas arriver à finir ma phrase, mais. Non, non, mais euh... je, 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 je reprends le fil en donnant plus d'éléments. Ouais. Lui a dit, à partir du moment où ça, ça devenait chaud pour sa gueule, que de toute façon, il n'était pas là pour longtemps, à partir du ah, moment tu... où il a senti que c'était chaud pour sa gueule. Ah, d'accord. Donc toi, tu sous entends que, en fait, si, il voulait rester plus longtemps. Ah bah c'était euh... il, il était l'instrument de moultrie quand même. Hein. C'était le. Il s'est fait éjecter la tronche par les. Euh... Il le dit, hein, par les législateurs, parce qu'il n'avait pas répondu de façon satisfaisante aux questions, et ça, c'est les législateurs qui l'ont dit. Ils demandaient plus d'informations de Laro, et c'est ce qu'ils ont dit euh, des trois briefings que Laro a donné. La seule qui était un tout petit peu de son côté, c'était Gillibrand. et elle, elle, elle a disparu de la scène. Elle n'en parle absolument plus. Ouais, elle a fait un gros rétro sur la question des pans. Elle fait semblant de ne pas trop savoir maintenant. Euh, mm. C'est vraiment euh, curieux, je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Ah oui, je dis, il y, y a des bagarres dessus. Pour que la, plus, la loi de financement de la défense américaine se chiffonne la gueule juste sur l'amendement sur les ouais. pans. Ça veut dire que c'est beaucoup plus important que les gens ne pensent. Donc, euh, moi, je trouve cette phrase extrêmement intéressante quand on l'accumule à toutes les autres qu'il y a eu avant. Bon. Au cours... Toi, tu l'interprètes comme étant... Ouais, vas-y, vas-y, continue. Au cours d'une enquête approfondie d'un an sur cette histoire qui a été racontée et redite par un petit groupe de croyants interconnectés et d'autres personnes dont les intentions sont peut-être moins connues. Aucun d'entre eux n'ayant de témoignage de première main, ce qui est factuellement faux, Laro a découvert plusieurs choses, et aucune ne concernait les extraterrestres. Alors pourquoi c'est factuellement faux bah On sait que Grush avait des informations de première main, puisque lui-même a eu accès aux informations du très puissant nga et nro qui sont les deux agences de renseignement satellitaire des états-unis et que il a utilisé cette base de données pour faire les enquêtes sur les pans auprès de l'UAPTF, c'était littéralement son boulot et il a dit avec joe rogan que oui il avait euh, eu accès à ces données là mais qu'il attendait la validation du DOPSER pour pouvoir en parler euh, librement publiquement on a euh, graves qui a des informations de première main. Le gars les a vues pendant ses opérations et il a parlé et il était chargé de la sécurité des opérations. Et enfin, on a Flavor qui lui aussi euh, a des informations de première main puisqu'il les a vues de ses yeux, le gars. Donc euh, là, pour la peine, c'est de la mauvaise foi. Et Donc, sans compter les témoins qui sont allés parler à Laro euh, de ce qui leur est arrivé, qu arrivé, Robert Salas, l'incident de Malmström en 1967 et euh, euh, Mario Woods de, de... c'est Rendlesham Forest, Mario Woods, je sais plus. Enfin, enfin voilà, bref, il y, y a un manque de curiosité chez Kirkpatrick qui, qui est parfaitement coupable. Euh, bon. La phrase suivante est géniale. Tout d'abord, il n'existe aucune trace. Trace. Tout d'abord, il n'existe aucune d'un président ou d'un dirigeant du ministère de la Défense ou de la communauté du renseignement ayant eu connaissance de ce programme présumé, ni d'une commission du Congrès ayant eu connaissance de ce programme. Les gars, quand vous avez un programme secret, est-ce que vous pensez que vous allez laisser des traces Juste réfléchissez à ça. Cela devrait en dire long si cette affaire suivait la procédure habituelle, car il est inconcevable qu'un programme d'une telle importance ait jamais été porté à la connaissance des 50 à 100 personnes au sommet du gouvernement des États-Unis au cours de ces décennies d'existence. On rappelle que pour qu'un président des États-Unis déclassifie une information, il faut qu'il ait l'accord des agences de renseignement. On rappelle. Deuxièmement, ce récit mijote depuis des années, résulte en grande partie d'un ancien programme de la Defense Intelligence Agency, la DIA du ministère de la Défense, appelé Advanced Aerospace Freight Identification Program, ATIP, qui a été fortement influencé par un groupe d'individus associés à l'homme d'affaires et ufologue de longue date, Robert Bigelow, fondateur de la société Bigelow Aerospace. Guillaume, quelle est l'erreur dans cette phrase oh là, là euh, moi j'étais concentré sur la mauvaise foi. Alors attends, l'erreur, euh, bah c'est que ce n'est pas ATIP, c'est RSAP déjà. Excellent. Ouais. Guillaume en sait plus sur le sujet que Kirkpatrick. <laughs> Pourquoi il m'appelle pas là Non, mais la, la voilà, égique, hein, visiblement. Voilà. Laro a enquêté de manière approfondie sur ces allégations dans le cadre de sa mission mandatée par le Congrès, qui consiste non seulement à évaluer techniquement les observations contemporaines de PAN, mais aussi à examiner les comptes rendus historiques remontant aux années 40. L'un de mes derniers actes avant de prendre ma retraite a été de... C'est quand même peinard, hein. tu prends ta retraite à quoi, 40, oui, 50 ans ouais. 50 ans, un truc comme ça euh, L'un de mes derniers actes avant de prendre ma retraite a été de signer le volume 1 du rapport historique de l'ARO, qui est actuellement en cours de préparation en vue d'être remis au Congrès et au public. Ce rapport démontre que bon nombre des allégations décrites ci-dessus proviennent de divulgations involontaires ou non autorisées de programmes américains légitimes ou de travaux de recherche et de développement connexes qui n'ont rien à voir avec les questions ou les technologies extraterrestres. Ça, c'est ce qu'on appelle se tirer deux balles dans le pied. Oui, enfin, euh, à partir du moment où il ajoute la petite mention bon nombre, il peut dire ce qu'il veut, hein. il est protégé. Il n'a pas non. dit que... La totalité des allégations décrites ci-dessus proviennent de divulgations involontaires ou non autorisées, machin, machin, machin. Il dit bon nombre d'entre elles. Donc, euh, pff, il, est, il parvient à faire passer la couleur qu'il veut sans s'engager. D'autant plus que euh, si les cas anormaux qui ont été remontés, par exemple, Michael Salas, euh, non, ce n'est pas, pas Michael, Robert Salas, euh, euh, sont issus d'une technologie américaine. Bah, ça veut dire que les États-Unis ont une technologie qui leur permet de dépasser la gravité. Oui, et puis ouais. surtout, dont ils se servent pour éteindre des missiles nucléaires. Qui leur appartiennent. C est, c est, qui leur appartiennent à eux. Ça relève du génie. Hein, ça relève du génie. Ouais. Non, non, on est parfaitement neutre, nous, en tant de journalisme. Au moment de mon départ, aucun, permettez-moi de le répéter, aucun des lanceurs d'alerte, aux yeux du public, n'avait choisi de venir à Laro pour fournir ses preuves et ses déclarations pour le compte rendu, malgré les nombreuses invitations qui lui ont été faites. Et alors là, bah, échec et mat dans ta tronche, puisqu'on a l'enregistrement fait par Robert Salas de la discussion qu'il a eue avec Laro, où justement, il donne son témoignage, et témoignage est une preuve. Bah oui. Bah donc euh, voilà. On pourrait faire un score des contradictions à l'intérieur de l'article. Voilà, évidemment, euh, il fait référence à David Grush, sans le nommer. Euh, et David Grush, de son côté, lui, prétend qu'on ne l'a jamais invité à l'arrow. C'est vrai, c'est vrai, c'est toujours un sujet de débat. Hein, ça fait, et ça fait longtemps, hein, ça fait depuis. Ça a commencé en août, je pense, qu'on a commencé à en parler. Parce que c'était le 26 juillet où il a donné ses auditions, et c'est là où, il a, euh, où on a demandé à la Rome bah, « Vous faites quoi convoquer Grosch. Depuis juillet, on a pas eu, de... on a eu de... deux informations complètement contradictoires. Et on a un des deux qui ment. Hein. Là, pour la peine, ça, bah, il ne peut pas y avoir une, une solution donc, intermédiaire. Je ne pas mâcher ces mots. Hein, sur News Nation, euh, l'autre jour, euh, il a dit carrément eh ben, ouais. euh, « Kirkpatrick ment. » C'est ça. ça. Bon, alors, après, vous croyez qui vous voulez. Euh... Enfin bon, on a affaire à une organisation qui visiblement n'est pas très très curieuse parce que quand vous avez un ancien colonel de l'armée chargé de surveiller les missiles nucléaires qui vient vous voir et qui vous raconte que euh, oui oui bah je, je me fais le porte-parole de, de plusieurs dizaines d'officiers américains qui témoignent d'incidents de, euh, avec des ovnis au-dessus de, de sites de lancement de missiles nucléaires, euh, il semblerait qu'il y ait des documents Déclassifié ayant trait à ces incidents-là. Incidents je ne suis pas allé les voir personnellement, je dois dire, donc je ne peux pas vraiment prononcer sur la question. Euh, il n'en parle pas, ça a l'air de ça a de lui passer complètement au-dessus de la tête. Euh, bon, moi j'ai plutôt tendance à croire quelqu'un qui visiblement a une curiosité, David Grush, qui a essayé de taper à toutes les portes pour essayer d'en savoir plus. Plutôt qu'un gras de papier qui n'a qui a, qui a pas tellement envie d'en savoir plus, visiblement. Voilà. Euh, tu peux me donner 30 secondes Oui. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la recette du pain perdu Oui, à peu près huit fois, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un moyen de tester. Euh, euh, oh, Regardez-moi ça comme c'est mignon. voilà De temps en temps, Baptiste s'extrait de La noirceur du monde. Euh, des... Euh, <laughs> des Kirk Patrick, des Arrow pour choper un petit peu d'amour animal. C'est beau. Euh, on peut le dire qu'on a là une intelligence non humaine qui est en guest pour la première fois dans l'émission. On t'entend pas, Baptiste Ah bah Baptiste se met à barrer, puisqu'il considère que... Je, je, je déconne pas, ça a été la question la plus demandée sur la chaîne de l'année dernière. Quand j'ai fait les stats, c'est. On peut voir le chien ou pas Bah ben voilà, je vous présente Noël, euh, qu'on a recueilli auprès de la SPA il y a maintenant. Oh, ça doit faire 11 ans, je pense, un truc comme ça, qui est une Ouh. poule de poil absolument adorable. Et donc, euh, voilà, c'est euh, mon intelligence non humaine à moi que j'ai à résidence. Et euh, quand vous, vous devez l'entendre ronfler euh, pas très loin du micro à chaque fois. Voilà, je réponds à la, la question qui m'a été le plus posée de 2023. Il est mignon. <laughs> euh, alors, dernier passage de Kirkpatrick. En tant qu'ancien directeur, je peux vous assurer que l'ARO s'est engagé de manière inébranlable à exploiter la science et la technologie pour apporter une clarté sans précédent à ces mystères fascinants, importants et tenaces et à le faire dans la plus grande transparence. Son personnel talentueux et son équipe de scientifiques s'efforcent en ce moment même, en collaboration avec les forces armées, la communauté du renseignement, les agences gouvernementales, les laboratoires nationaux, la communauté scientifique, la communauté universitaire et bientôt le grand public, de collecter et d'analyser des données concrètes et mesurables. C'est-à-dire des preuves extraordinaires dans ce domaine, jusqu'à présent riche en témoins oculaires, mais pauvre, en données. Donc là, il reprend le, le, la vieille parole de Carl de oh Sagan. Non, non, non. Il a été démonté, mais une bonne dizaine de fois, hein, je pense, par euh, des différents scientifiques qui, oh, mignon, euh, qui euh, disent que bah, en fait la science ça marche pas comme ça c'est qu'une preuve c'est une preuve et ça n'existe voilà. pas les preuves extraordinaires en fait et voilà dont le dernier en date c'est notre bon euh, Travis Taylor euh, l'un des, des scientifiques en chef de l'enquête du Skinwalker Ranch euh, qui est allé de son petit euh, commentaire euh, sur Reddit il euh, y a eu d'ailleurs je crois une passe d'armes entre lui et Kirkpatrick et franchement ce qu qu'il disait... Euh, euh, Sortie Noël très jolie, Didier. Euh, qui faisait vraiment plaisir à voir. Donc, si le, le petit texte de Kirkpatrick vous a donné envie de bouffer des briques, eh bien, un bon antidote, un bon remède, peut-être d'aller lire la réaction de euh, Travis Taylor euh, sur Reddit, qui a vraiment fait du bien. Moi, ça Il a a démonter. Avec la démonter. Ah, oui. Oh là là oui. je, je, je le montre pas parce que c'est. honnêtement, faut, là, je me fais bannir ma chaîne, mais c'était du démontage, oh, mais en boire. série. Ah, C'est quand même un peu agressif. Hein. Là, euh, on attendra qu'il soit vraiment Mais, à la retraite. Moment, euh... <laughs> oh, de, 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 Mais quoi, ouais, euh, Travis Taylor l'a démonté. Bah, oui, non. Puis euh, je veux dire, vous avez beaucoup plus de vrai dans la petite réaction sur Reddit de Travis Taylor que dans cette espèce de, de torchon à la noix de, de Kirkpatrick. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir euh, 300 de QI pour euh, regarder les artifices. Euh, euh, intellectuel qui l'utilise dans son article pour comprendre que est en train de nous enfumer donc euh, voilà Est en train de nous enfumer allez alors on en est que à un tiers de... oh non <laughs> alors celui-là il va être très très rapide c'est dans le très très sérieux Wall Street Journal un... alors c'est la première fois que je vois un truc comme ça c'est un reportage, vous avez des photos avec genre deux lignes de texte et voilà euh, donc je ne vous le montre pas parce qu'eux, euh, ils sont euh, agressifs sur euh, les restrictions. Mais euh, globalement, ils ont fait une report un reportage de terrain dans le Connecticut et montré euh, l'augmentation des gens qui s'inscrivaient au Muffon. Muffon qu qu'on salue, ils sont des potes de la chaîne. Et... Euh, 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 tiens, on les a jamais reçus, les, les gars du Muffon. Ah bah tiens, je, euh, on va leur étendre une invitation. Euh, ensuite, dans le très sérieux Forbes, on a... Euh, une ville du Kentucky qui a envoyé un message laser de publicité pour le tourisme pour sa ville à destination des extraterrestres. Donc voilà, euh, ils sont, euh, donc sont... il y avait une conférence qui était en cours à la NASA pour savoir euh, mais, euh, si euh, quel message intelligent on va envoyer aux extraterrestres si on les rencontre. Donc on a le Kentucky qui vient de les inviter à boire le café. Donc euh, ça c'est fait, c'est notre image pour l'univers. Euh, euh, Probablement à bouffer du poulet frit aussi. Hein. Ah, oh! Pas de pub, s'il te plaît. <laughs> bon, <t 'as rire> Pas de pub non payée, on veut bien qu'ils nous livrent. Il <laughs> y, y, y a du poulet frais au Kentucky. Hein. <laughs> Ensuite, on a eu hier euh, l'anniversaire du cas de Virginia, dont on vous invite à aller voir le documentaire que euh, Guillaume a adoré. Oui, euh, of Contact de James de, Fox. De James Fox, euh, que vous pouvez voir sur toutes les bonnes plateformes. Dans le Daily Mail, un article un peu surprenant où on apprend qu'ils euh, bah, sont un peu scandalisés que les représentants Burlinson et Burchett disent qu'il peut y avoir des éléments d'ovnis à l'intérieur des textes religieux, dont la Bible. Euh, ça faisait un peu euh, cacher ce sein que je ne saurais voir, puisque eux-mêmes se sont servis de ce sujet-là pour faire de très nombreux articles Daily Mail. On euh, salue le travail de notre très cher Christopher Sharp, qui publie aussi dans le Daily Mail sur la question de la méduse, dont on va reparler ensuite, et qui globalement euh, se moque des euh, comment on dit, naysayer euh, des, euh, euh, hein, des Ouais, c'est pas mal les rabats -joies. Rabats -joies. donc Des -joies qui disent que euh, le, les, la vidéo diffusée par euh, Corbel et Nap est pourrie et qui rappelle leurs historiques de divulgation. Euh, alors, c'est là où ça m'a fait très plaisir que tu en parles tout à l'heure. Euh, J'ai vu passer ça euh, dans, mon, dans mon scan. Donc là, on est dans les IFO. Hein. C'est euh, des objets qui sont vus par des témoins et qui sont considérés comme étant des ovnis, mais qui sont en fait des objets euh, réels euh, mal interprétés. Et euh, j'avoue que là, ça va commencer à devenir très compliqué d'analyser les témoignages si on commence à avoir des drôles lumineux qui font semblant d'être des ovnis. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel que ça va être pour les gens du Mufon, d'ailleurs. Euh, parce que quand vous allez commencer à avoir des gens... Et on avait eu le cas avec... Euh, comment il s'appelle le gars qui fait des blagues pas drôles Il euh, oh bah, y en a beaucoup. Gaillard, un truc comme ça. Oh, qui, lui avait fait oh. un, qui avait fait, fait un avait fake euh, en utilisant des drones avec des lumières. Euh, malheureusement, on est aussi confronté à ça sur le sujet. Euh, une petite anecdote qui est relevée par Métro, où il y a une sorte d'orbe bleue qui a été vue dans les vidéos. Bah là, il suffit en fait de regarder l'image de près et vous voyez que c'est en fait un reflet de lumière dans la lentille puisque vous avez la dégradation de, du spectre lumineux qui est à l'intérieur. C'est confirmé par les scientifiques qui s'en occupent. Alors là, honnêtement, un coup de maître de la part d'ABC News qui a réussi à faire un article synthétisant le champ de bataille du sujet ovni à l'heure actuelle. Donc là, honnêtement, et ici, ils y sont mis à quatre hein, pour le faire, c est, c est sûr, on sent qu'il y a eu de la sueur qui a coulé, mais euh, vous avez un article qui doit faire même pas mille mots, qui vous fait le bilan de tout ce qui se passe sur le sujet à l'heure actuelle. Alors là, franchement, okay. euh, chapeau bas, ils ont fait un excellent boulot, et vous avez vraiment tous les points de vue, hein, du plus sceptique au plus croyant, euh, de la part des figures du sujet, donc franchement, bah, kudos à eux, hein, euh, ils ont fait un travail impeccable. Ensuite, nous avons le nouvel article de notre ami Marik van Rennenkampf dans The Hill. Une technologie ovni déstabilisante et un monde vulnérable. Selon le philosophe Nick Bostrom, une nouvelle découverte technologique pourrait un jour dévaster la civilisation humaine. Selon la théorie du monde vulnérable de Bostrom, seules des inventions extraordinaires telles une coopération ou une surveillance mondiale sans précédent peuvent empêcher une nouvelle technologie suffisamment dangereuse d'entraîner l'effondrement de la civilisation. Des membres importants du Congrès soupçonnant les États-Unis de posséder déjà une technologie particulièrement déstabilisante, l'hypothèse de Bostrom pourrait donc bientôt être mise à l'épreuve. La législation proposée par le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, et un groupe partisan, bipartisan de cinq autres sénateurs, allègue que des programmes hérités, subreptices du gouvernement, ont récupéré des ovnis d'origine apparemment non humaines et tentent d'en faire la rétro-ingénierie. Bien qu'un membre influent de la Chambre des représentants, Réussi à tuer les éléments les plus remarquables de la législation à la fin de l'année dernière, M. Schumer et son homologue républicain ne reculent pas. Parallèlement, plusieurs membres de la Chambre des représentants ont déclaré la semaine dernière qu'ils considéraient comme crédibles les allégations de David Grosh, un ancien agent des services de renseignement qui a témoigné sous serment au sujet des programmes de récupération, d'OVNI et de rétro-ingénierie. Selon le philosophe Nick Bostrom, une nouvelle découverte technologique pourrait un jour dévaster la civilisation humaine. Selon la théorie du monde vulnérable de Bostrom, seules des interventions extraordinaires, telles qu'une coopération et une surveillance mondiale sans précédent, peuvent empêcher cette nouvelle technologie suffisamment dangereuse d'entraîner l'effondrement de la civilisation. Euh, J'ai perdu le fil. Oui. Non, c est c est de... ce stade... À ce stade À ce stade, il est, il est irresponsable okay. et, comme Bostrom pourrait l'affirmer, dangereux de laisser de côté des implications mondiales plausibles d'une telle révélation qui changerait de paradigme. Supposons donc que les États-Unis possèdent effectivement une technologie révolutionnaire en matière d'ovnis. Supposons également, comme le font les sénateurs Kirsten Gillibrand et Marco Rubio semblent y croire, qu'un secret sans précédent jusqu'à présent a jusqu'à présent empêché une compréhension scientifique significative des technologies exotiques retrouvées. Une hypothèse populaire veut que toute révélation officielle selon laquelle l'humanité n'est pas seule unissent les nations du monde par défaut. Et cela n'est nullement garanti. Au contraire, une révélation publique soudaine selon laquelle les États-Unis possèdent une technologie incroyablement avancée pourrait être un événement particulièrement déstabilisant. L'armée chinoise, par exemple, s'appuie fortement sur l'espionnage et limitation de la technologie américaine. L'industrie de la défense russe est en ruine, aggravée par les pertes stupéfiantes subies en Ukraine. Ces États dotés de l'arme nucléaire craindraient naturellement l'injection soudaine d'une technologie ovni très avancée dans une base industrielle américaine relativement mûre et sophistiquée à des fins d'analyse et d'exploitation technique. La Russie ou la Chine seraient donc motivées pour s'engager dans une série d'actions déstabilisantes afin de se prémunir contre l'obtention des États-Unis d'un avantage stratégique insurmontable. Plus inquiétant encore, ces États pourraient chercher à empêcher activement les États-Unis de développer des capacités militaires révolutionnaires dérivées de la technologie des ovnis. Dans cet environnement géopolitique instable, plusieurs scénarios plausibles pourraient rapidement dégénérer en un conflit mondial dévastateur. Pour compliquer les choses, des sénateurs de premier plan semblent soupçonner que certains adversaires de l'Amérique ont également récupéré une technologie ovni très avancée trois responsables de l'armée et des services de renseignement, dont M. Grosh, l'ont affirmé. Si c'est vrai, la divulgation publique de la technologie ovni par un État pourrait déclencher une course aux armements sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Supposons donc qu'un État réussisse à exploiter une technologie ovni avancée, ce qui lui permettrait de frapper dans le monde entier en toute impunité. En toute impunité tout en rendant inefficaces les capacités militaires de ses adversaires. Cette nation serait fortement incitée à mener une attaque dévastatrice avant que ses rivaux ne réalisent des percées similaires. Dans la typologie des vulnérabilités civilisationnelles de Bostrom, il s'agit là du scénario de la première frappe sûre. Pour faire face aux risques profonds associés à l'émergence de technologies hautement déstabilisantes, Bostrom propose deux remèdes principaux, la gouvernance mondiale et la police préventive. Dans le contexte de notre expérience de pensée centrée sur les ovnis, des éléments des deux peuvent être appliqués pour, selon Bostrom, stabiliser un monde vulnérable. Une approche de gouvernance mondiale des risques uniques, postulée ici pourrait voir toute la technologie ovni placée sous un contrôle multilatéral strict. L'étude et l'analyse scientifique seraient menées par des équipes multinationales d'experts. Ces équipes seraient compartimentées et isolées les unes des autres afin d'éviter qu'un individu ou une équipe n'acquiert des connaissances suffisantes pour utiliser la technologie à des fins néfastes ou intéressées. S'inspirant de la police préventive de Bostrom. Les scientifiques et les experts participant à une telle étude multinationale de la technologie ovni seraient également soumis à une surveillance intrusive, à un contrôle et à des restrictions de mouvement. Cela permet d'atténuer le risque de tricherie ou d'espionnage étatique. En même temps, la surveillance continue des individus ayant accès à la technologie des ovnis pourrait dissuader ceux que Bostrom décrit comme étant prêts à agir de manière à détruire la civilisation, même à un prix élevé pour eux-mêmes. En ce qui concerne les assurances supplémentaires et les mesures de confiance, une approche globale et multilatérale pourrait s'inspirer du traité ciel ouvert. Les régimes d'inspection sur place issus du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourraient également être instructifs. Par exemple, si un État soupçonne, un autre, d'étudier ou d'exploiter subrepticement la technologie des ovnis en dehors du cadre scientifique multilatéral, un cadre d'inspection agressif, accepté par toutes les nations participantes, et nécessitant un vote à majorité pour être appliqué, pourrait dissuader les tricheurs. Au fil du temps, à mesure que la confiance s'accroît entre États participants, ces conditions nécessairement sévères et intrusives peuvent être assouplies. Il est certain qu'un tel niveau de coopération mondiale sans précédent se heurterait à des obstacles considérables. Mais la menace civilisationnelle unique que représente la présence d'une technologie ovni avancée, si elle existe effectivement, peut servir de motivation solide pour poursuivre la gouvernance mondiale envisagée par Bostrom. Les ovnis et les spéculations sur la vie extraterrestre ont également joué un rôle modeste mais fascinant dans la promotion de la coopération mondiale. Fin 1985, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique semblaient insurmontables, le président Ronald Reagan a rencontré pour la première fois son nouvel homologue soviétique, Mikhail Gorbachev. Entre deux réunions tendues, Reagan a posé en privé à Gorbachev une question amusante, à savoir si une attaque venant de l'espace pourrait unir les deux superpuissances mondiales dotées de l'arme nucléaire. Gorbatchev a répondu par l'affirmative, ce qui a donné lieu à un petit rire brisant la glace et à une amitié naissante entre les deux dirigeants. Trois ans et trois sommets plus tard, un Reagan rayonnant embrasse chaleureusement Gorbatchev sur la place rouge de Moscou, alors que les tensions entre l'Union soviétique et les États-Unis s'apaisent. L'étroite collaboration entre Reagan et Gorbatchev a finalement donné à ce dernier la latitude nécessaire pour mettre en œuvre les vastes réformes qui ont permis de mettre fin pacifiquement à l'ère la plus périlleuse de l'histoire de l'humanité. Reagan a également invoqué publiquement le potentiel unificateur de l'intelligence non humaine, s'exprimant devant les Nations Unies en 1987. Il s'est demandé à quelle vitesse nos différences à travers le monde disparaîtrait si nous, nous étions confrontés à une menace extraterrestre venant de l'extérieur de ce monde. Fin de l'article. bah c'est. Qu'est-ce que vous voulez Alors, qu'est-ce que t'en penses C'est déprimant parce que j'ai beaucoup de mal à croire en, en l'instauration de cette fameuse. Euh, ce système de, de surveillance multilatérale. Après, il existe déjà effectivement euh, par rapport au nucléaire. Euh, c'est la fameuse. Euh, J'ai oublié le nom de, de l'organe euh, qui s'en occupe. C'est l'AS. La, la, la 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 je ne connais je pas son nom. Tiens, c'est vrai. L'autorité de surcalier du nucléaire, mais ça, c'est en France. Euh... Ah oui, non, je ne comprends de ça. Bon, enfin, on a effectivement cet organe-là euh, qui, je suppose, émane de l'ONU. Je ne sais pas, honnêtement, je vais vérifier. Ah, je sais pas non plus. Bon, donc, ben je, effectivement... je sais que, on en a aussi une en, en Europe. Euh, donc, autre... ça, c'est encourageant, effectivement. On entend parler régulièrement d'équipes d'inspection qui vont, euh, voilà, euh, en Iran vérifier dans, dans plusieurs pays que, que, voilà, ils sont effectivement pas en train de fabriquer des bon, euh, des armes nucléaires. Euh, bon, bah oui, évidemment, ce serait bien que. Euh, ces technologies-là soient quelque part mises sous clé euh, et que tout le monde se mette d'accord autour de la table à l'ONU pour qu'il n'y en ait pas un qui. Mais je ne vois pas du tout les États-Unis se laisser faire. Je crois que c'est l'AIEA. L'AIEA, exactement. Agence internationale de l'énergie atomique, c'est ça. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux me tromper, je ne suis pas dans le secret des dieux, évidemment. Hein. Euh, mais je ne vois pas vraiment euh, les États-Unis se, se laisser faire. Je ne les vois pas, euh, comment dire, lâcher un, un avantage potentiel, puisque euh, ben, le but euh, semble-t-il de l'appareil euh, militaire américain, c'est de maintenir une domination euh, totale en termes de, de puissance sur le reste du monde. L'avocat d'Anishian en parle régulièrement dans, lors de ses nombreuses interviews, euh, citant un document datant, je crois, des années 90, où il est écrit en toutes lettres euh, que voilà, le but de, euh, de la communauté, euh, euh, enfin le but du Pentagone en gros, c'est de s'assurer full spectrum dominance, c'est-à-dire une dominance euh, sur tous les plans, une domination non. sur tous les plans par rapport à leurs adversaires. J'avoue que j'ai un point de vue assez euh, partagé sur le sujet, parce que d'un côté, je, pareil, je ne vois pas du tout les États-Unis, euh, la Chine ou la Russie accepter aujourd'hui un tel accord. Euh, déjà, ils n'arrivent pas à s'entendre sur les, la non-prolifération nucléaire, alors là-dessus, ce sera bien pire, puisque c'est des vecteurs qui permettent justement de, de dépasser toutes les défenses actuelles conventionnelles. Euh, mais d'un autre côté, on a, on a un exemple historique, c'est-à-dire que les États-Unis ont été les premiers à avoir la bombe nucléaire, ils auraient pu à ce moment-là conquérir toute la planète. Ils ne l'ont pas fait. Pendant, je crois, cinq ans, ils étaient les seuls sur la planète à avoir des bombes nucléaires. Euh, ils auraient pu voir chaque pays et dire, vous vous rendez, vous nous donnez toutes vos armes ou on vous explose la gueule. Ils pas fait. le fait qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient persuadés d'avoir une avance insurmontable. Euh, oui, mais entre euh, domination totale et puis laisser les autres se développer, même leur filer du plognon avec le plan Marshall pour qu'ils se reconstruisent, euh, je pense parce que ça, ça fait partie. Mais rien, hein, les États-Unis sont jeunes, donc ça fait un, un peu partie des mythes fondateurs. Donc je, je, je pense. Enfin après, je ne sais pas. C'est peut-être une interprétation débile de ma part, mais euh, je, je, je pense que cette euh... Ce, ce, ce passif historique fait qu'ils n'auront pas la volonté de conquérir et que, par contre, ça va les ennuyer énormément que la Russie et, les, et la Chine développent ce type de technologie. Parce que pour Le Pen, ça court-circuite complètement leur propre technologie conventionnelle. Donc euh, là, je pense que c'est une menace qui peut avoir son effet. Je crois qu'un tel accord euh, serait possible si chacun des trois pays avait un armement de ce type-là et là on se retrouve en fait dans le même euh, type de, de guerre froide, mais avec le passif historique d'avoir déjà fait une guerre froide, donc on sait que de toute façon, il faut arriver à une désescalation des, euh, des conflits, parce que sinon les, les, les risques sont trop dangereux. Donc je, je, je pense que c'est là où il y a une pertinence de l'article, mais je, je pense franchement que c'est un vœu pieux, honnêtement. Bien. Euh, ensuite, nous avons un article de notre très cher Leonard David, qui est euh, l'équivalent d'un marronnier sur le sujet, puisqu'il a évolué de complètement sceptique à limite croyant aujourd'hui sur les ovnis, euh, et qui nous fait exactement le même article que Kastrop. Donc, euh, comme ça, on n'a pas à revenir dessus, puisqu'il utilise les mêmes arguments. Donc, euh, voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir. Euh, ensuite, on a. Euh, ah oui, alors, donc là, je vous ai fait un tiers groupé de 1, 2, 3, 4, 5 articles parce que globalement, ils disent tous la même chose, c'est l'effet de la loi de financement sur le domaine militaire. Donc, en gros, euh, augmentation du marché des euh, drones et systèmes aériens de 23 milliards, prévu pour euh, l'année 2023, donc celle qui vient de se, de se finir. Là, on a AID euh, qui, euh, en gros, dit que euh, dans les évolutions euh, du renseignement, il y aura la surveillance des plateformes de haute performance. On a les laboratoires de recherche de l'air force qui disent qu'ils sont en train de mettre au point des contre-mesures contre les euh, cibles hypersoniques. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut servir. Euh, on a euh, l'émission des euh, directives de contrat. Donc c'est pas les contrats, c'est euh, les directives de contrat. Et à l'intérieur, vous avez cette description. Elle est. Peut... C est pas. Orti. Ouf, non, c'était pas là. Bref, vous avez plusieurs éléments qui, à l'intérieur, font beaucoup penser euh, euh, à des technologies de, de pointe qu'on pourrait utiliser dans des plateformes, au semblant indépendantes. Ensuite, on arrive sur euh, un signalement d'OVNI qui a été vu à Newport, euh, vendredi dernier. Et on, ça nous donne ça. Il y a une vidéo qui est disponible, je vous laisserai aller la voir, je pense qu'elle est privatisée. Dans le très sérieux et très chinois South China Morning Post, vous, non, bah, si pour la peine, hein, c'est la voix du, ouais, du gouvernement chinois. chinois. On peut être un ah, peu chinois, on peut là, être un peu chinois. Mais là, c'est très très chinois. Euh, on a un article mi figue sur le fait que la Thaïlande a un festival sur les ovnis euh, et que une secte de culte religieux déclare qu'il s'agit de la zone 51 de l'Asie. Donc, euh, je vous laisse aller voir l'article qui est assez intéressant parce que du coup, l'État chinois ne sait pas comment se placer par rapport à ça et ça rejoint ce qu'on disait sur le problème des cultes. D'ailleurs, on vient de voir que ça avait même touché la France euh, ces dernières semaines, ça avait fait la une des journaux locaux. Euh, donc, euh, c'est une émission qui est de contexte à l'heure actuelle. Dans les points un peu plus culturels, au Japon, nous avons une exposition d'un objet qui est réputé comme étant un débris d'OVNI. Euh, et c'est un, un objet qui a été récupéré il y a 500 ans sur les côtes, qui est depuis préservé dans un temple. Euh, vous avez l'image à l'écran. Et euh, il y a de nombreuses interprétations de ce qu'est cet objet. Euh, on pourrait penser qu'il s'agirait d'un miroir de combat euh, utilisé lors d'une conquête euh, de, euh, du Moyen Âge japonais. Le problème, c'est que euh, ça ne correspond pas à des masses. Il euh, y a quelques endroits qui montrent que c'était accroché à quelque chose d'autre. Euh, et qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quel est cet objet. Il a été récupéré euh, aussi dans une condition assez étrange, c'est-à-dire que l'objet a en gros échoué sur une plage. Euh, il y a eu une tempête qui a duré 7 jours, et au bout des 7 jours, l'objet s'est brisé en deux, et c'est comme ça qu'il a pu être transporté à l'intérieur du temple. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça culturellement super intéressant comme histoire, j'en avais jamais entendu parler. Donc euh, pour la peine, vous aurez l'article la, en description. Est-ce qu'on sait la taille de l'objet ça fait 1m20, je crois, de mémoire. 1m20. Il faudrait que je vérifie pour la peine. Ensuite, nous avons eu un cas aussi dans ces derniers jours. Je vous ai dit, hein, c'est super chargé en ce moment. C'était vendredi aussi, je crois. J'ai un petit doute sur la date. Euh, mais c'était là, ces jours-ci. Euh, tac, 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 tac. T'es parti où Alors, euh, donc il y a des chasseurs F-35 qui ont été envoyés pour intercepter un ovni en vol. Euh, voici la conversation entre la tour et le pilote de euh, l'avion. Le contrôleur aérien d'Evnes demande euh, ⁇ Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange ?⁇ L'avion répond ⁇ Oui ⁇ Le contrôleur dit ⁇ Des objets lumineux ont été observés dans le ciel et se sont déplacés légèrement d'avant en arrière à toute vitesse. ⁇ J'ai reçu un appel d'une unité voisine, euh, mais sans les verrouiller, pour ainsi dire. Vous ne voyez rien dans le ciel qui ressemble à une étoile, mais qui n'en serait pas une donc là, il y a une réponse de l'avion, mais la qualité n'est pas, euh, pas suffisante pour savoir ce qu'ils disent. Et le contrôleur répond oui, c'est un peu comme ça euh, entre FNS et Andoya, qui sont deux, euh, deux villes. Là, une autre réponse de l'avion, mais la qualité seconde est, la qualité sonore est pourrie. Deuxième réponse, qualité sonore et illisible. Euh, le contrôleur aérien oui, on ne sait pas, mais oui, merci de votre attention. Plus tard, le contrôleur. Euh, ça y est, je peux maintenant voir euh, directement vers Andoya ce qui se passe. Il y a des objets lumineux qui se déplacent assez rapidement. Euh, L'avion, nous faisons un 360 degrés si vous êtes OK. Euh, Evnès dit oui, faites-le. Euh, L'avion dit oui, nous allons faire un 360, nous serons de tour à Evnès. Le contrôleur aérien d'Evnès. Euh, moi, je suis euh, ici tout droit en direction d'Andoya. Euh, ça va et ça vient. Euh, C'est peut-être à 20 000 pieds. Euh, ça a une forme un peu étrange. Euh, L'avion euh, répond oui, je vais aller voir. 9 secondes plus tard. Euh, L'avion demande est-ce que vous le voyez sur le radar. Et, euh, le contrôleur aérien répond non, il n'y a rien sur le radar. Euh, L'avion dit que eux ne voient rien, le contrôleur aérien. Non, non, comme je l'ai dit, je l'ai vu ici, puis il est parti dans l'autre direction. C'est est comme ça que ça s'est passé. Mais vous n'avez qu'à continuer et euh, on vous remerciera pour votre aide. Il se peut qu'il réapparaisse euh, lorsque vous vous approchez. Je vais chercher aussi euh, moi-même. Euh, mais vous, vous n'avez rien vu, vous à ce moment-là, le contrôleur aérien transmet à l'avion les données météorologiques pour Evnes, et peu après, l'avion signale à la tour qu'elle a vu un avion passer au-dessus d'elle. La tour répond qu'il s'agit d'un avion norvégien qui, serait, qui se rend à Tromsø. Le contrôleur, euh, restez vigilant, nous verrons ce qui se passe. Euh, il reprend ensuite, merci de votre aide. Il y a eu quelques observations ici, mais c'est calme. Nous verrons si les forces armées sont en mesure de trouver une solution et dans l'article euh, l'armée ne donne aucun commentaire sur la tentative d'interception qu'elle a menée. Voilà, on vous tiendra au jus si on a plus de nouvelles sur cette information qui vient de tomber pour la peine en direct de la Norvège. Enfin, on a euh, toujours le débat sur la vidéo de la Méduse qui apparaît euh, dans le dans le radar cette fois ci c'est un expert des caméras thermiques euh, militaires qui déclare que pour lui il ne s'agit pas d'une tâche puisque c'est un objet physique par contre ça ressemble beaucoup à euh, un ballon et euh, Joe murja qui euh, euh, poste euh, l'extrait vidéo avec l'accord de la personne dit que pour lui ça ne peut pas être un ballon puisque euh, il, euh, le mouvement des différents morceaux en trois dimensions ne correspond pas à ce que ferait un ballon, et que Dave Faulch a montré que les ballons du type que, que l'autre expert l'a dit dans la vidéo ne donnent pas cette signature-là en, en infrarouge, il serait transparent. Voilà, ça a fait la fin de ces news qui ont duré presque deux heures. Ouais. C'était pas du tout chargé aujourd'hui, c'était cool. Ah oui, non, non, mais euh, on vous dit, hein, le sujet n'arrête pas de, de, de se développer. Bah, à partir du moment où la parole se libère, bah, forcément, de plus en plus de personnes euh, s'avancent, de moins en moins de personnes se taisent quand elles voient quelque chose. Euh, je ah attends j'ai oublié si un truc. Beaucoup si, vous... oh, non. <laughs> enfin, si, mais en plus ça a été demandé quatre fois dans le chat, donc là on est obligé ah, d'en bon. parler. Non, euh, donc on a Rony Vernet qui vient de publier une vidéo sur euh, Virginia, justement, puisque c'est l'anniversaire, c'est probablement parce que c'est l'anniversaire que ça en parle d'ailleurs. Euh, il précise bien, et alors là je, je vous dis directement, la source, Rony Vernet dit que c'est un faux. Hmm. La source... Dit que c'est faux ce que je vais montrer. Est-ce que c'est clair Voilà. Tac. Donc, on, lui a, on a voulu lui euh, faire payer l'accès à cette vidéo qui, euh, supposément, montre un euh, extraterrestre de Virginia. René Vernet a refusé de payer. Il a attendu un peu. On lui a envoyé une autre copie de la vidéo. Il la met en ligne. D'après son étude, il s'agit d'infos. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ça bah, Il y a l'anniversaire de Virginia, donc du coup, ça remonte dans la presse. Euh, et euh, il y a la rumeur qu'il y a un film qui a été tourné. Euh, James Fox a essayé de l'avoir. Il y a euh, Paul Logan, je crois qu'il s'appelle, qui essaye ouais. aussi de l'acheter. Euh, donc voilà, il y a, on sait que ce film existe. Et du coup, il y a des faux qui sont faits pour essayer de se faire du pognon dessus. Je me permets d'afficher la, la petite remarque de Fidèle au Post qui ouais. nous précise au sujet du, de la vidéo précédente, ça risque de tourner au rago de la Mésuse. Oh c'est joli, mais Fidèle bon Fidel... au poste, il déboîte dans les jeux de mots, c'est euh, un des meilleurs. Ah, ah, ouais. ouais. ah, ouais. Voilà, <laughs> bah écoute, bah, je, je t'as bien, bien bossé, hein. On peut on peut dire merci à Baptiste. Oh ouais, merci. Un, un... Un travail, non mais vous ne vous rendez pas compte, mais il passe sa vie, je ne sais pas comment il fait, il passe sa vie à tweeter toutes les 45 secondes, chaque information euh, qui est entré au pan. Donc si vous voulez vraiment être euh, au fait de tout ce qui sort, euh, tout, bah vous vous abonnez à son compte hein, sur Twitter. Chou, chou. Voilà. Et, euh, et voilà, finalement, ça sert à rien de nous regarder. Hein. Allez voir le compte de, de Baptiste sur Twitter et vous aurez, vous aurez tout ce qui tout ce qu'il faut. Il bah, faut parler anglais. Ouais, et puis il euh, n'y a pas mon chien sur Twitter. Euh, chien. Alors concernant euh, Sentinelle on va quand même toucher euh, deux mots euh, déjà si vous voulez savoir d'où vient le mot vous avez une nouvelle d'Arthur C. Clarke que je vous recommande de lire qui s'appelle La Sentinelle qui est excellente euh, ça vous expliquera beaucoup de choses deuxièmement il s'agit simplement de la prolongation de ce qu'on fait euh, dans les news euh, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter l'information et d'en avoir une version assez synthétisée simplement le problème c'est que euh, ces vidéos prennent des heures à être vues, c'est-à-dire que là, vous voyez, pour faire l'actualité de trois jours, ça nous a pris deux heures. Donc, il y a des gens qui ont juste pas la possibilité de suivre ce, ce niveau, même en accéléré deux fois, c'est ignoble. Donc, euh, on est en train de mettre en place un système de production d'articles écrits euh, qui sera diffusé en anglais, français, italien, espagnol euh, et basé sur le système Substack. Euh, donc Déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de journalistes, à toute l'équipe de modération euh, qui bosse avec nous de façon complètement bénévole sur le sujet. Euh, L'information ne sera jamais en accès payant, mais on pense qu'on pourra activer la, le mode de donation sur les sites pour que nous on puisse payer les traducteurs et les journalistes quand ils euh, nous font, quand ils bossent pour nous, en fait. Euh, globalement, c'est l'idée qu'on va essayer de mettre en place, c'est d'avoir un organe de presse qui soit indépendant. Et c'est la raison pour laquelle on n'est plus dans UAP Check, puisque ça voulait dire que j'aurais dû répondre de chacun des contenus euh, au, au board. Et du coup, euh, personnellement, je ne peux agir dans ma qualité euh, à fond que quand je sais que je n'ai aucune pression qui peut être faite sur moi euh, concernant le contenu. Et donc, on crée ça en dehors du UAP Check. On n'a aucun problème avec IP Check, on a des contacts très cordiaux avec eux. Euh, C'est simplement pour qu'on soit réellement indépendant en termes de ligne éditoriale. Voilà, on adore le nom. Je pense que là, pour la peine, il y a même des gens qui disaient ouais, « je suis pas sûr pour le nom », qui aujourd'hui disent ouais, « finalement, euh, Sentinel News, ça passe bien ». Donc, euh, on est en train de voir à quel point on va faire monter la sauce en termes de, de puissance de feu, mais euh, honnêtement, je suis très très content de cette nouvelle structure. Guillaume, merci beaucoup de m'accompagner dans cette nouvelle aventure qui est en fait la même aventure depuis oui. que tu es arrivé sur la chaîne. Simplement, on fait monter la sauce. Je pense que ça va être très sympathique. Et encore mille fois, merci à toute l'équipe éditoriale qui nous suit. Merci à tous les contacts internationaux qui nous ont rejoints. Euh, ça va envoyer du steak. Mon cher Guillaume, un plat végétarien pour terminer. Moussaka. Parfait. Les exploreurs, les checkers, les sentinelles, on vous souhaite une très bonne soirée. On continue l'aventure ensemble. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me planter de générique. Passez une très bonne soirée et on se retrouve du coup mercredi prochain. No way connected. From outside this world. Walk, Walk in the tree learning question. Back in less than a second. Alright, I and mean, that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials.